Maman, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour. Tu es si heureuse. Qui est-il? Ne me dis pas que tu ignores quel jour nous sommes. Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas? S'il te plaît, rappelle-moi, mon enfant. Quel jour on est aujourd'hui? Tu veux dire que tu ne sais pas quel jour nous sommes? Tu ne sais pas quel jour on est? Ekene, mon frère. Adana, Ekene. Je ne sais pas. Comment tu es contente, là? J'espère que tout va bien. Tu veux dire que tu ignores aussi quel jour on est? Ah, je ne sais pas. Dis-moi, maman. Oui, mon fils. On a quelque chose à célébrer? Je ne sais pas, oh. S'il y a quelque chose... Mais parle. Dis-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Ekene, toi aussi. Mais parle. Tu ignores quel jour on est? Adan, mais je ne sais pas. Maman, tu ignores quel jour on est? Adan, mais il faut me parler. D'accord, je vais. Je vais à la rivière puiser de l'eau. Adani. Ah, ah, ne pas pour à la rivière toute seule. C'est bon, je pars seule aujourd'hui. Je ne veux pas que tu viennes avec moi. Tu vas me retrouver à la rivière. Maman, Adani, mais on va souvent à la rivière ensemble, non? Je pars pas avec toi. Elle croit qu'on ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah, elle pensait qu'on ne le savait pas. Comment je peux oublier le jour où j'ai donné naissance à toi? Vraiment? Va et reviens. Je prépare pour toi. Maman. Waouh! Ça, c'est un paradis! Mon bébé est friqué! Waouh! Waouh! Hi! Bon après-midi, maman. Oui. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Salut, salut. En quoi puis-je vous aider? Je m'appelle Linda, du Cameroun. Du Cameroun? Oh, oui, ok. Je suis là pour mon petit ami. Désolée, je ne vous comprends pas. Son nom, c'est Arinze. Il est de cette ville. Jeune fille, vous êtes sûre d'être au bon endroit? Ah, évidemment. Parce qu'il y a tellement d'Arinze dans cette ville. Lui, c'est le prince, hein? Le futur roi de cette grande ville. Oh, vraiment? Oui, maman. Avez-vous quoi que ce soit pour prouver que c'est lui? Évidemment, j'ai sa photo ici sur moi. Maman, c'est ça. Ah oui, c'est notre fils. Elle vient du Cameroun. Merci, maman. Il n'y a pas de quoi. Bienvenue. Ok, papa. Ah! Amaka. Amaka. Oui, ma reine. S'il te plaît. Sois la bienvenue. Merci. Installe-la dans la chambre d'amis. Prends mes valises. Toutes mes valises. Là-bas, là-bas, les vues, les vues. Adorable, Emma. Hey! Non? Seigneur! Adorable. Oui, sois bienvenue! Wow! Là-bas, là-bas, le vieux, les vieux! Écoute, hein? Tu ne peux pas la boucler. Hey! Hein? Comment? Tu ne vas pas tous ces atouts? Tu ne vas pas? Pète, 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 pète. Là-bas, là-bas, tu vas passer le vieux, les vieux? Hey! Seigneur! Hey! Bienvenue, ma chérie! Là-bas, là-bas, le vieux, les vieux! Hey! Là-bas, là-bas, le vieux, les vieux! Oh, qu'est-ce que j'adore l'Afrique! Garde! Servante, venez! Venez prendre quelques photos avec moi. Allez, rapprochez-vous! Vas-y, prends-en une autre.
Voici une autre. Ok, viens, joins-toi à nous. Tu peux nous prendre en photo? Laval, Laval, les vieux, les vieux. Oh, Inès, j'ai déjà changé. C'est pas vrai. Hey! Hey, la, la, la. Que tout le monde dise cheese. Cheese. Allez, prenez des photos, prenez des photos. Hey! Bon, tournez-vous, changeons de poster. J'ai filmé. Papa, viens te joindre à nous. Quoi, que je vienne? Oui. Que je vienne? Allez, viens. Viens. Linda. Ouais, papa. Que je vienne. Viens te joindre à nous. Prendre une photo. Ok, j'adore ce poster, tu vois. Rapprochez-vous. Voilà, c'est ça. Ouais, oui. Voilà, ça me convient. Il y a beaucoup de fauteuils ici que de l'autre côté. Plus de fauteuils ici. Dites encore cheese. Voilà. Soulève un peu ta cuisse. Papa, lève les yeux, regarde la caméra. Je regarde, la caméra d'en bas est plus intéressante que l'autre. Ok. Hey! J'en prends une. Souriez, souriez. Ouais. Ouais. Allez, prends plus de photos. Et prends-en plus. Maintenant, une pose différente. J'aimerais pas apprécier cette photo. Qu'est-ce qui se passe ici? Et tu as mon téléphone. Lola. Mon téléphone. Viens me donner mon téléphone. Lola, tu es là? Maman, prenez juste quelques photos. Que crois-tu être en train de faire? Je regarde la guerre. La guerre. Une vraie guerre. C'est quel genre de stupide guerre, ça? Cette fille est vraiment très belle. Elle a dit qu'elle venait d'où? Et ça, c'est une beauté pure. Une beauté pure. Je crois que c'est une dévergondée. Hé, je ne suis pas une dévergondée, moi. J'adore juste l'Afrique. Et mon bébé est plein aux as. Lol. Elle n'est pas dévergondée. Elle prend des photos. Où est le mal dans ça? Dis-moi. Et tu es Jofo? Hein? Que fais-tu encore ici? Lol, je regarde une guerre. Pourquoi, là? Une vraie guerre. Tu es encore là? J'ai oublié de prendre ces médicaments que tu m'as donné pour mon mal de dos. J'ai complètement oublié de les prendre. Tu devrais avoir honte de toi. C'est pas de ma... Allez, suis-moi. Maman, viens prendre quelques photos avec moi. Papa, viens. J'arrive, je prends mon médicament. Hey! Là-bas, là-bas, les vieux, les vieux. La bombe. Hey! J'arrive. Là-bas, là-bas, les vieux, les vieux. Prends quelques photos, viens. Hey! Cet homme est tellement drôle. Je ne suis pas contente d'eux. Je ne suis pas du tout contente. Comment est-ce qu'ils ont pu oublier qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire? Parmi tous les gens de ce monde, hein? Ils ont oublié mon anniversaire. Même Ekene. Je ne suis pas contente d'eau. Laval, Laval, les vieux. Les vieux. Ok. Non. L'autre côté, t'es bien. Voilà, c'est bien. Vas-y, filme toujours. Bah, tu peux le faire, oui. D'accord, c'est bon. Laval. Cette fille est en train de faire ma journée. Elle est canon. Vas-y, filme. Elle me rappelle ma jeunesse. Elle vient du Cameroun. Laval, Laval, les vieux. Et tu es Jofo. Je t'ai déjà donné le remède. Que fais-tu encore ici? Hein? Quoi? Mais j'attends que le médicament agisse. Ça doit agir. Ichio Jofo, rentre chez toi. Ce remède va agir quand tu arriveras chez toi. Tu veux enceinter cette fille avec tes yeux? Laval, Laval. Oh, cette fille est très belle. Je dois la regarder. Elle est très sexy. Hey, Ichio Jofo. Tu devrais avoir honte de toi. Regarde comment tu te ridiculises. Hey! Maintenant, rentre chez toi. Laval, Laval.
Je veux revenir dans la soirée pour la suite du traitement. Je n'ai plus besoin de toi aujourd'hui. Hey. Monsieur Joffo, rentre chez toi. Hey. Là-bas, les vieux. Les vieux. Qu'est-ce que tu fais? Hé, hey, reviens! Hé! Hey. Hé, hey, reviens! Non, mais... Hé, hey, reviens! Reviens tout de suite! Reviens! Où tu vas avec mes habits? Où est-ce qu'elle est passée? Elle a disparu! Quel genre de fille cinglée, ça? Mais non, je suis nu, comment vais-je rentrer? Où est-ce qu'il est passé, oh mon Dieu? Ah, c'est un humain. Je croyais avoir vu une sirène. Ce n'est pas une sirène. C'est un humain. Je croyais avoir vu une sirène. Oh! C'est un humain. Oh, bon sang! Arinze! Maman? Que t'est-il arrivé? Je vais t'expliquer. T'es ici? Oui, je suis arrivée il y a quelques heures. Réponds-moi d'abord. Pourquoi es-tu à moitié nu? Il y a une de ces filles cinglées qui a volé mon jean et mes chaussures pendant que je nageais dans la rivière. Quoi? Tu veux dire qu'une fille a déshabillé mon petit ami? Pas déshabillé. J'ai dit, j'étais en train de nager et elle a pris mes effets et... Arinze, combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas quitter ce palais sans les gardes du palais? Hein? Nous avons beaucoup d'ennemis là-dehors. Ce ne sont pas tous ceux qui se prosternent devant toi, qui t'aiment. Oui! En passant, qui est cette cinglée de fille? Je l'ignore, d'accord? Elle est sortie de nulle part, a volé mes affaires et a disparu. Juste comme et ça? Comment es-tu arrivée une ici? Une fille de ce royaume a osé laisser le futur roi nu. On doit la retrouver et la punir. Excuse-moi, maman.
Garde! Viens, 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 viens. Ekene. Maman. Maman. Tout ça, ils oublient qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ils ont vraiment oublié mon anniversaire. Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont complètement oublié. Maman! Corco, Corco, va chez Chico, dirige-lui d'apporter le gâteau immédiat. Ok, maman. Vas-y, vas-y. Maman! Maman! Winnie, tu es rentrée? Pourquoi boudes-tu toujours? Je ne suis pas contente de vous. Je ne suis pas contente. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Je ne veux pas parler de ça. Mais on laisse tomber. Mais on laisse tomber. Ah, ok. Ok. Eh où? Tinekeme! Qu'est-ce qu'il y a? C'est une sirène. Qui est une sirène? Maman, je... Hey! C'est une sirène, oh! À qui appartient ce vêtement? C'est un esprit. Quelle sirène? Qui est c'est une un sirène? Esprit. C'était ici. Je l'ai posé là. Neka. Hé, hey, maman. Tu me fais peur. Je ne veux pas te faire peur, mais là, c'est grave. C'est un fantôme, c'est un esprit. Je ne sais pas comment on l'appelle. Maman, je suis allée à la rivière et j'ai vu... J'ai vu un homme qui s'est baigné dans la rivière, une sirène. Maman, c'est un Mamiwata. C'est un Papiwata, c'est un Papiwata. Je l'ai vu se laver. Il a une queue. Il a le truc. Il a un truc là. Oui, il était là. Et j'ai volé sa babouche. Hey! Je suis rentrée avec. J'ai mis ça ici. Maman, ça a disparu. C'est une sirène. Tu veux dire que tu es allée à la rivière, tu as vu une sirène et tu as ramené cette chose ici? Oui, c'était ici. Mais quelles sont ces sandales? Ce ne sont pas mes sandales. Mais à qui sont-ils? Je ne me rappelle pas avoir eu un visiteur. Oh là là, je ne savais pas ce que je portais. Je vais voir ça en rentrant. Bébé. Quoi? Je t'ai demandé de te calmer, ok? Tu sais, cette jeune fille est peut-être juste une voleuse. Et c'est pourquoi je vais la débusquer, quel que soit où elle se cache. Je sais que ta mère a convoqué les anciens de ce royaume. Et je suis sûre qu'ils feront quelque chose je à ce sujet. Je n'ai pas cette patience. Et où penses-tu que tu vas la trouver? Mondouba est une petite ville. D'accord. Donc, même s'il faut que je cherche de maison en maison, je le ferai. Ok, je peux partir avec toi. Non, non, tu ne vas nulle part avec moi. Eh ben... Mais, écoute... Reste ici et détends-toi, d'accord? Je vais gérer ça. Je m'occupe de ça, c'est ma croix, je vais la porter. Tu dois donc t'en aller avec des gardes. Je n'ai besoin d'aucun garde. T'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. C'est juste un petit problème que je vais vite régler et je reviens, d'accord? Occupe-toi à faire quelque chose, tout ce dont t'as besoin. T'appelles un servant, il viendra, d'accord? S'il te plaît, va avec des gardes. Non, merci. T'en fais pas pour moi, hein? Ok, bébé. Ouais. Peux-tu donc me donner un bisou vu que tu refuses que je parte avec toi? Attends, maintenant? Bien sûr! Tu n'es même pas d'humeur. Bébé, mets-toi dans cette humeur. Je veux juste un bisou. D'accord. Si ça peut te permettre de te calmer et de me laisser gérer mes affaires, viens là. Contente?
Je suis contente. Bien. Maintenant, promets-moi que tu seras sage. Tu vas te détendre. Amuse-toi. Amuse-toi de ce dont tu as besoin. Demande à quelqu'un. Je te le promets, bébé. C'est compris, j'arrive. Bébé, reviens-moi, reviens. Viens. J'arrive. S'il vous plaît, je cherche quelqu'un. Okay. Une fille, claire de peau, un peu grasse, de taille moyenne. As-tu vu quelqu'un ici, passer en courant? Non, non, je n'ai vu personne. T'en es sûr? Je n'ai vu personne. Merci beaucoup. D'accord, merci. De rien. Hé, regardez-moi ce bel homme. Si seulement je connaissais cette fille, je l'aurais emmenée. Avez-vous vu une fille de peau claire? Elle a des seins et beaucoup de fesses. Ouais. Avez-vous vu une fille pareille? Elle est partie par Elle là-bas. Elle est passée par là? Ouais, par là-bas. D'accord, merci. Garde. Oui, ma reine. Pourquoi l'as-tu laissée sortir de ce palais sans mon consentement? Je l'ai même supplié de me laisser l'accompagner, mais il a refusé. Hey! Arinze! Arinze! Est-ce que tu veux me tuer avant mon heure? Hey! Bon, écoute-moi. Maintenant, sors et va le chercher. Assure-toi qu'il soit sauf. Car cette fille pourrait être un agent envoyé pour tuer mon fils. Ne vous inquiétez pas, il ira bien. Ok, maman? What are you looking at? Of one money, a little bell. Jay, Linda from Cameroon. I send me my quad over. If you pull my doubts, I'm going to be. La va, la va, le fou, le fou. La va, la va, le fou, le fou. La va. Ce sont bien là mes babouches. J'arrive pas à y croire.
Je le savais. Ah, j'ai bien dit que ce ne sont pas mes babouches. Voici les miennes. Maman! Neka! Maman! Ekene, c'est toi? Oui, maman, c'est moi. Ekene, es-tu sûr? Oui. Ekene, va-t'en, il y a quelque chose qui va te faire du mal là-bas, va-t'en. Qu'est-ce que c'est? Va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un esprit là-bas. Peut-on Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Mais il n'y a personne ici. Es-tu sûr? Mais oui. Donc on peut ouvrir la porte? Ah ah, maman! Ah ah! Ekene. Mais maman, je suis seule ici. Et tu n'as vu aucun esprit? Ah ah! Tu n'as vu aucun? Il n'y a personne ici. Mais je... Mais qu'est-ce que... Ekene, il y a des babouches là-bas. Ça va te croquer. Ça appartient à une sirène. Quoi? Ekene, ta soeur dit qu'elle est allée à la rivière et elle a vu une sirène. Elle a pris ses affaires et est rentrée avec à la maison. Ah, ah maman. Mais non. Les babouches qui sont ici, je viens de rentrer avec maman. Je suis allée en route avec, hein? Les babouches qui sont là, je viens de rentrer avec. T'es sûre? Oui, elles sont ici. As-tu vu quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un là-dehors avec toi? Maman, il n'y a personne ici. Laisse-moi te dire, ces babouches sont vertes. Elles sont vertes et noires. Je les ai portées quand je sortais. Je viens de rentrer avec maintenant, maman. Et tu as laissé tes babouches? Non, je viens de mettre les miennes maintenant. Hey. C'était une erreur. J'ai mis les autres par erreur. Ekene, est-ce que tu es sûre de ce que tu racontes? Ekene, tu es sûre de ça? Maman, je suis sortie avec ces babouches. Elles n'ont pas disparu de mes pieds. Je viens de rentrer avec ça là maintenant. Ekene, je suis allée à la rivière. J'ai vu un homme très blanc, très jaune. Vraiment très jaune, clair. J'ai cru que c'était le maître de la rivière, Papa Wata. Il y avait quelque chose entre... Tais-toi! Tais-toi! Tu n'as rien vu du tout. Ekene, ta sœur est vraiment une idiote. Ah, tu n'as rien vu du tout. Elle m'a vraiment fait peur à mort. Cette fille veut me tuer. Hein? Ah, tu ferais mieux d'aller remettre les effets de cet homme. Ah. Il a dû rentrer chez lui tout nu. Eh, wow. Bien sûr. C'était une erreur. Je sais qu'il était le maître de la rivière, Papa Wata. Neka. Neka. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je ne suis pas contente. Je croyais qu'on avait oublié mon anniversaire. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu maintenant? Quel âge as-tu? Hip hip hip! Hooray! Joyeux anniversaire! La sirène est là! Maman, la sirène est là! Maman, la sirène est ici! Non, mais non! Je suis sûre, c'est une sirène! Mais non! Arrêtez! Maman, sortez! Non, Ekene, c'est la sirène que j'ai vue à la rivière, c'est une sirène! Il n'est pas une sirène! S'il vous plaît, sortez! Maman, sortez! Ah! Hey! Tu es sûr que tu n'es pas une sirène? Eh ben voyons, je ne suis pas une sirène. Je suis humain, comme tu peux le voir. Oui. Maman, tu es sûr que ce n'est pas une sirène? Non. Il n'est pas une sirène. Bonsoir, maman. Mon fils, sois le bienvenu. D'accord, touche ma peau. Vas-y, touche mon corps. Touche-le. Que je le touche. Vas-y, touche-moi, tu verras que je suis un humain. Oui. Touche-le. Allez, vas-y. Vas-y, touche-le. Adani, touche-le. Tu es une vraie comédienne. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis désolée, j'ai cru avoir vu une sirène quand je t'ai vue. Je suis pas une sirène, je suis humain. Je suis désolée. Et maintenant, je suis ici pour mes affaires. Puis-je les avoir maintenant? Adani, va chercher ses affaires. Vas-y, file, dépêche-toi. Ah, ah.
J'arrive pas à y croire. Elle vous a dit à tous que je suis une sirène. Hey. Elle le disait avec beaucoup de conviction. Allez, excuse-toi auprès de lui. Merci. Excuse-toi auprès de lui. Ce sont mes jolies babouches. Je suis désolée. Excuse acceptée. J'espère que tu vas arrêter de me fuir. Je ne suis pas une sirène. Très bien. Et Kenny, c'est ça? Toi, oui. Tiens. Non, mais c'est pour toi. Oui. Non. Et je te les donne maintenant. Vraiment? Oui, vas-y. Tu peux les avoir. Alors. Et Kenny, vas-y. Ils sont à toi désormais. Oh, merci. De rien. Merci, c'est vraiment gentil. Pas de quoi. Merci. De rien, maman. D'accord, la reine du jour, joyeux anniversaire. Merci. Profite de ton jour. Merci, ok. Merci. Je vais partir maintenant. Non, 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 non. Tu ne manges pas le gâteau? Ah, non. Merci. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, tu sais. Je sais, je sais. Mais alors? Je reviens très bientôt. Tu ne restes pas avec nous? Tu n'étais pas une sirène. Non, ça va, merci. Merci à vous tous. À bientôt. Bye bye. Viens ici. Maman. Hein? Il est gentil. Tu as raison, je savais qu'il était une sirène. Va bien t'habiller. Viens t'habiller, Kenny. Coupe-moi un deuxième. Maman, ça ce n'est pas les pocos. On ne coupe pas les gâteaux. J'ai un couteau à la cuisine. Va apporter ce couteau. C'est avec le couteau de cuisine que je vais couper le gâteau. Est-ce que ça ne coupe pas? Non, maman. Attends, attends, attends. Hey, va chercher de l'eau. De l'eau? Non, 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 non. Tu vas sortir, non? Adam, mais qu'est-ce que c'est, non? Non, ce n'est pas à toi. C'est à moi. C'est à moi. Adam, il a dit que je les prenne. Et alors? Tu ne peux pas tout prendre. Tu ne peux pas tout prendre. Comment tu peux prendre les babouches? Et les habits aussi. Ce n'est pas juste. C'est de la cupidité. Adani, les deux habits que tu vois là, Adani, ce sont les habits des hommes. Je vais les tailler. Adani, ça ne va même pas te suffire. Je vais les tailler. Non, je ne te les donne pas. Laisse ça. Donne-moi ça. Ekene. Mais donne-moi ça. Pourquoi c'est quoi ton problème? Donne-moi mes habits, non? C'est toi qui as ramené ça à la maison. Mais tu as dit que c'est une sirène, non? Une sirène mâle. Une sirène mâle, mais oui, je veux. C'est à moi qui les a donnés. Mm-hmm. Ce n'est pas à toi. Laisse ça. Laisse ça vite. Ekene, laisse-moi. Laisse ça. Laisse-moi, oh. Donne-les-moi. Ekene, laisse-moi. Tu me fais mal. Adani, donne-les-moi. Je ne te la donne pas. Pourquoi? Parce que c'est à moi. Adani, ce sont les habits des hommes. Mm-mm. Tu sais quoi? Je vais acheter pour toi. Je vais t'en acheter. Je vais t'acheter des habits de femme. Tu es sûre? Oui. Tu m'achètes des colons. Je te le promets. Des robes. Oui. Des belles robes. Je vais le faire. Tu es sûr? Tu sais très bien que je peux tout faire pour toi, hein? Je vais t'en acheter, ok? Tu es sûr que tu ne me mens pas? Tu sais quoi? Allez, lève-toi. Lève-toi. Adani, je te promets que... Ok, tu sais quoi? Laisse ça. Maintenant, tu agis comme ma sœur. Laisse-moi, tu me mens. Non. Demain, je vais t'en acheter. Tu dis que tu as besoin de quoi? Des robes. Des colons. Des colons? Pour maintenir ça. Mais tu es sûr que tu vas m'acheter? Promis, je vais t'acheter des colons. Mm-hmm. Et tu veux quoi d'autre? Les soutiens. Les soutiens? Les soutiens. Tu vas utiliser les colons là. Bébé, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi trouves-tu difficile de révéler l'identité d'une fille qui t'a honteusement laissée nue en public? Parce que c'est pas aussi grave que tu le penses. D'accord? Écoute, la fille n'est pas une voleuse. Elle m'a juste pris pour quelqu'un d'autre. Elle a cru que j'étais un ange humain. Oh, vraiment? Oui. S'il te plaît, épargne-moi ce sentimentalisme à la con. Quoi? Ne sois pas stupide. Comment peux-tu laisser quelqu'un te ridiculiser de cette manière? Elle doit aller derrière les barreaux et apprendre la leçon. On n'est pas à Londres. Les choses se règlent de différentes façons ici. On n'implique pas la police dans le moindre problème. Certainement pas dans ce cas. Oh, vraiment? Ok, d'accord. Je comprends. Mais elle doit remercier Dieu que je n'ai pas posé mon regard sur elle. Je lui aurais donné une leçon qu'elle n'aurait pas oubliée d'aussi. Tu prends cette histoire bien trop au sérieux. Tu dis aussi des jurons?
Mère, laisse-moi régler ça moi-même. La fille en question n'est pas de ce royaume. Je ne peux pas la trouver à moins que je te révèle son identité. Relax, ok? Je vais régler ça moi-même. Mon fils, es-tu sûr qu'elle n'a aucune mauvaise intention? Non. C'est pas une mauvaise fille. C'est juste une fille naïve qui a cru avoir vu un ange humain, se baigner dans la rivière. Au début, j'étais fâché. Mais quand j'ai, appris la vérité, j'ai décidé de lui pardonner et de laisser tomber l'affaire. Je ne sais pas pourquoi Linda refuse de comprendre. En parlant de Linda, qui est-elle? J'ai décidé de ne rien dire à cause de ce qui est arrivé hier. Eh bien, on s'est rencontrés à Londres. Ok, on est juste des amis. Elle est originaire du Cameroun. Ton amie du Cameroun? Oui. Et tu as décidé de l'emmener dans ce palais? Quelle est votre relation? Mon fils. Mais... Pour être sincère avec toi, je n'apprécie pas cette fille. Oh, mais... Depuis qu'elle a mis les pieds dans ce palais, elle a réussi à séduire tous les hommes de ce royaume. Non, et elle se comporte comme si elle est la maîtresse des lieux. C'est juste une personne très ouverte, un être humain à l'esprit ouvert. Je comprends. C'est une chouette fille. S'il te plaît, mère, sois gentille avec elle. C'est pas grand-chose. Elle n'est pas méchante. Elle a juste l'esprit ouvert, ok? Une dernière chose, mon fils. Oui, maman? De grâce, mon chéri. Tu dois arrêter de sortir tout seul. Oh. Tu es le prince héritier, pour l'amour de Dieu. C'est passé le temps où tu allais à la rivière te baigner. Hein? Maman, c'est pour ça que je ne fais que revivre ces expériences passées. Mon enfance me manque. Tu sais, ces jours, j'allais me baigner dans la rivière. C'est pourquoi je vais toujours à la rivière jusqu'à ce jour. J'adore l'eau. J'adore ce qu'elle me fait ressentir. Ok? T'en fais pas pour moi, c'est pas si grave, ça va aller. Tu es bien trop sérieuse, maman. Allez, t'en fais pas, maman. Et Kenny, comment vas-tu? Je vais bien. Bon après-midi. Bon après-midi. Neka, tu ne le fallais pas? Bon après-midi. Bon après-midi, Neka, comment vas-tu? Je vais bien. Je vois que vous êtes venu puiser de l'eau. Bah oui. Super. Oh, non, je ne suis pas nu, voyons. J'ai une culotte. Je ne suis pas nu, tu vois. Et Kenny, j'aimerais revenir chez vous un jour. Mais bien sûr, tu peux venir quand ça t'enchante. Merci. Regarde-moi la pureuse là, hein. Regarde-moi la pureuse là. Même pas honte. Tu as peur de voir un homme nu. Passe-moi l'autre bidon, hein? Pourquoi tu acceptais qu'il vienne à la maison? À tout moment. Pourquoi tu acceptais qu'il vienne? Peureuse. C'est quoi ça? Pourquoi
fallait plus de l'eau quand vous maman, savez c'est... que vous allez gaspiller ça. Maman, c'est Ekene. Arrêtez. Maman, c'est Ekene qui a commencé. Tu mens. Tu aimes trop mentir. Maman, c'est lui qui a commencé. Tu mens. Maman, c'est elle qui m'a d'abord versé de l'eau. Tu n'es qu'aimé. Ah, tu mens trop. Tu n'as pas... Oh, hey, oh, la ferme. Tu ne me connais pas. Je vais te chiffrer. Tu ne vas rien faire. Oui. C'est toi qui a commencé. Maman, tu as vu ça? Je vais vous fouetter tous maman, les deux. Maman, tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu ne sais même pas que tu es vieux. Hein? Comment peux-tu te comporter comme un enfant? Ah! Maintenant, c'est moi qui... Ah! Oui. Oui, tu... Tu ne dis rien maintenant. Tu ne dis rien maintenant. C'est bon, va à l'intérieur. Tu ne dis rien maintenant. Va à l'intérieur, arrange tout le temps, choses. C'est Ekene. Tu as vu maintenant? Ekene va à l'intérieur, c'est bon. Je vais te battre. Je vais te battre. Ekene va à l'intérieur et arrête de te chamailler. Va à l'intérieur, tu vas aller me faire une cause. Tu n'y parles jamais. Et c'est toujours toi qui commences. C'est quoi ça? Adane. Ne me touche pas. Reste de ton côté et moi de mon côté. Ne me touche pas. Adane, mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Ce n'est pas ta quête, maman, que tu vas me battre. Je croyais que je jouais avec toi. Un petit jeu que je faisais avec toi. Et tu l'as pris au sérieux. Maintenant, tu me touches. Reste de ton côté, oh. Non, ne t'approche pas. Mais je te dis que je t'ai pardonné. Moi, je ne te pardonne pas. Ah, ah. Tu ne m'as pas pardonné, Adane? Oui. Ça veut dire que je ne t'achète plus les trucs-là. Ce que je t'ai promis. Tu as dit que tu voulais le roulant, que je t'achète ici, cela. Je ne vais plus rien payer. Je n'achète plus ça. Tu vas voir. Tu ne m'as pas pardonné. Ok, désolé. Désolé, non? Ok, je ne suis plus fâchée. Tu es sûre? Oui. Adane, tu es sûre? Je suis sûre. Si tu es sûre, touche ma main. Tu n'es pas comme ça. Tu sais comment tu touches ma main avant. Allez, touche alors. Touche alors. Touche ma main, non? il ne va plus venir, non? Qui? La sirène, bien sûr. Oh. Papi Wata. Oh, tu l'aimes bien? Bien sûr que non, c'est faux. Je me demandais juste quand est-ce qu'il viendra encore nous rendre visite. Adani, en fait, tu sais, tu as raison. Il ressemblait à une sirène quand je l'ai vu dans la rivière. Oh, ah, je te l'avais dit. Mais il est quand même mignon, tu sais. Si seulement il pouvait aimer ma sœur. Laquelle de tes sœurs? J'espère que tu ne parles pas de moi. J'espère que tu ne parles pas de moi. Bien sûr. Quelle autre sœur j'ai en dehors de toi? Adane, ce gars-là, il a l'air riche. Ça se voit sur la couleur de sa peau. Hein? Regarde, elle a l'air très fraîche. Quelle couleur de sa peau? Laisse-moi te dire quelque chose, c'est de la crème éclaircissante. Hein? De la crème éclaircissante, oui. Cet homme n'est pas beau. Tu mens. Je sais que mon frère est plus beau que lui. Ekene, laisse-moi te dire ceci. Si tu étais en ville à te faire de l'argent, tu serais plus beau que cet homme. Hein? Cet homme n'est pas beau. Tu es sûr? Oui, non. Non, Adane. Ah, ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ah, Adane, tes yeux peuvent te dire la différence entre une peau de riche et une peau de pauvre. Adane, as-tu oublié combien d'heures est-ce qu'on passe affamé chaque jour? Ah! Toi aussi. Tout ça aussi est vrai. Mais ce que je dis est que, mon cher Ekene, quand tu vas voyager pour la ville, elle gagnera beaucoup d'argent, comme lui. Hein? Crois-moi, les filles seront alignées ici pour te chercher. Tu es très beau. Es-tu sérieuse? Si je pouvais avoir une peau plus claire, propre, moi-même, moi, Neka, je ressemblerai à Mami Wata. Adane, mais tu es belle. Qui a dit que tu n'es pas belle? Adane, personne n'est plus belle que toi dans ce village. Tu es sérieux? Ma propre Adane, tu es mignonne. Tu sais quoi? On a plein de choses à faire aujourd'hui. Allons continuer à travailler, hein? Continuer quoi? Dis-moi un truc, dis-moi. Adane, non, mais dis-moi allons. D'abord les trucs que tu m'as achetés. Mais allons, quand on va finir nos tâches, je vais te donner tout ce que tu veux. Non, je les veux maintenant. Si tu vas dans ma chambre, tu ne les verras pas. Je les veux maintenant. J'ai caché ça ailleurs, tu ne vas pas les trouver. Oh, comme ça. Finissons d'abord nos tâches, hein? Je pars les tu ne vas pas les trouver. Tu ne vas pas... Lâche-moi, Adane. Lâche-moi.
J'arrive pas à y croire que tu aies fait ça. Pourquoi lui as-tu donné mes coordonnées personnelles? Tu sais à quel point je veux me débarrasser de Linda. Pourquoi tu m'as fait cela? Peu importe, le fait a été fait. Je m'en fiche. Je dois y aller maintenant. Je raccroche. Salut! J'espère que je suis le bienvenu. Salut. Oui, bien sûr. Je suis le bienvenu. Merci, merci. Comment se porte tout le monde? Tout le monde va bien. Neke, va lui chercher une chaise. Merci, ma chérie. Merci. Merci encore. Comment va la maman? Oh, elle va bien. Ok. Elle est allée au marché acheter des trucs. Oh, c'est bien. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux t'offrir? Il y a des jus ici, alors dis-moi, qu'est-ce que je t'offre, hein? Il y a du Fanta, du Coca. Est-ce qu'il y a du vin de palme? Du vin de palme? Oui. Ok. Merci. Adani, viens. 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 Viens, viens. Intéressant. Adani, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprends pas. Mais ça se voit, Adani. Tu n'arrives pas à supporter sa présence. Vraiment? Je vois que tu es vraiment amoureuse. Arrête ça, je ne suis pas amoureuse de lui. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que ça se voit sur ton visage. Écoute, je peux lui parler si tu veux que je le fasse. Tu dis des bêtises. Mais quelle folle. Mais qu'est-ce qui va pas avec elle? C'est rien, mec. Juste qu'elle est un peu timide. Devant qui? Moi? Oui, elle est juste un peu timide, hein. Et va. Bien, dis-moi, mon frère, d'où viens-tu? Au Mundupa. Au Mundupa? Oui. Mais c'est le village voisin. Exactement. Ah, tu es d'un village royal? Oui, en quelque sorte. Mais pas directement. Je suis du côté pauvre. Non. Ouais. Non, tu n'as pas l'air pauvre du tout. Vraiment? Tu n'as pas l'air pauvre. Te laisse pas embobiner par tous ces trucs. Ah, en tout cas, tu sais, nous sommes d'une famille pauvre. Mais bon, nous nous aimons et nous nous soucions les unes des autres, hein? Je vois. C'est intéressant. Adani, mais apporte le vin de palme. Excuse-moi, je dois répondre à cet appel. Cool. D'accord. Allô? Quoi? Oh mon Dieu, je suis même pas... Un instant. Je vais revenir. Je dois y aller maintenant. C'est une urgence. J'arrive. Allô? Je vais rentrer tout de suite. Oui, tu peux sortir. Mais pourquoi tu fuis, hein? Adani, mais tu es folle, hein? Reviens ici. La va, 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 la va,
Lava, les vieux. La Camerounaise. Lava, les vieux. Que je cours avec toi. Que je te rejoigne. Ouais. Au Cancun. D'accord, je peux pas refuser. Hey, je suis chanceux. Quel bonbon, mes jambes répondent d'accord. Franchement, j'ai un côté répondant. Les Camerounais sont vraiment très sexy. Attends que je saute. Hey, je suis chanceux aujourd'hui. Là-bas, le vieux. Je me remonte en forme là. Coucou, on va au Cameroun. Je suis vraiment chanceux aujourd'hui. Oh, là-bas, les vieux. Mais mes jambes sont encore solides. Là-bas, les vieux. Ma chérie, allez. Tourne-toi que je regarde. Tourne-toi, là-bas, les vieux. Les vieux, quel bon popotin. On saute, d'un côté, ok. Là-bas. Allez, tourne-toi. C'est ça, allez, vas-y, tourne-toi. Love you. Attends, je viens avec toi. Hey, la Camerounaise va me tuer. Je n'en peux plus de sauter. Et voilà, de gauche à droite. Et voilà. Hey, c'est ça. Elle balance. Vas-y, couche-toi. Quand je me couche. Je me couche vite. Je me couche rapidement. Là-bas. Les vieux. Hey. Guéri, ne t'arrête pas. Oui, vas-y, continue. Les vues. Le feu de fuite prouve que tu l'aimes. Et ça se voit sur ton visage. J'ignore vraiment de quoi tu parles. Je croyais que j'étais le premier à voir que tu l'aimes. Ada. Je ne suis pas amoureuse de lui. Je veux dire que... Comment puis-je tomber amoureuse d'un parfait inconnu? Pitié, Kenny. C'est ce qui me fait des idées pareilles dans la tête. Arrête. Adani, je le veux pour toi. Quoi? Oui. Je le veux pour toi. Il est gentil. Il est mignon et il est beau. Oui. Et si lui ne m'aime pas? Alors on priera Dieu pour que ça arrive. Hein? Mais oui. Adani, je veux le meilleur pour toi. Tu es mûr pour le mariage. Tu sais quoi? Je vais plus me renseigner sur lui. Mais pitié, promets-moi une seule chose. Je ne veux pas que tu te laisses emporter. Sinon, je ne serai pas content de toi. Je ne sais pas toujours de quoi tu parles. Ada. Laisse-moi tranquille. Te voilà qui me chète. Ada. Kené, laisse-moi tranquille. Arinze. Peux-tu imaginer que Ichie, folâtrait et bâti follet avec... Comment appelles-tu cette chose? Comment appelles-tu la fille que tu as emmenée dans cette maison? Linda. Oui, peu importe. Si tu voyais ce qu'il faisait, ils se caressaient et ils folâtraient ensemble. Tout
tout ça sous prétexte de faire du sport. Oui, le sport. Et c'est quoi faire du sport? Il travaillait. Toi aussi. Itié. Oui. Je suis sûr que tu as plein de douleurs musculaires. Oui, oui, bien sûr, c'est tout le corps. Ah. Ça fait mal. C'est parce que tu ne fais pas souvent du sport. C'est sûrement ta première fois. Mais la prochaine fois, tu ne ressentiras plus cette douleur. Quoi que je revienne. Fais-le encore, le sport est bien pour le corps. Je le ferai avec plaisir. Tu n'as rien fait de mal, tu faisais juste du sport. Rentre chez toi, lave-toi. Linda est en train de faire la même chose. Oh. Je vois que vous êtes devenu fou. Je ne vais pas rester ici à écouter ces bêtises. N'importe quoi. Mange. Là-bas. Les vieux. Tu dis que je me sentirais mieux? Eh bien, le sport est bien pour le corps. Crois-moi, la prochaine fois, tu vas plus ressentir une douleur. Donc, que je revienne pour notre séance. Si tu veux. Va à la maison et lave-toi. Là-bas, les vieux. Ta salle, tu sais ce que c'est. Les vieux. Là-bas. Hey.
mon Dieu. Je suis vraiment désolé, je savais pas que tu étais vierge. Je l'ignorais. Je le jure. C'est arrivé. S'il te plaît, je t'en supplie. Que cela reste entre nous. Je ne veux pas que mon frère soit au courant de ça. Il va me tuer. Personne ne le saura. D'accord? Mais pitié, peux-tu me pardonner? Ce n'est pas de ta faute. J'aurais dû me contrôler. Je suis également coupable. Je me suis laissé emporter. Je te jure, j'ai jamais effleuré une femme avant. J'ai jamais été avec une fille vierge. C'est ma première. Il y a toujours une première fois à toute chose. Adieu. Je suis désolé. Attends. Oh. Rinsey, pourquoi? Pourquoi? Il faut du bois pour le feu. Bonjour, maman. Et Kenny, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Maman. Nika n'est pas encore rentrée. Elle n'est jamais restée aussi longtemps. Ne t'inquiète pas, elle va revenir. Ah. Tu sais à quel point ta sœur aime jouer. Hein? Où peut-elle être? Ah, Tchou. Ah. Ne me dis pas que c'est ta sœur que tu cherches partout comme ça. Oui. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Maman, je vais aller la chercher. Je reviens, Kenneth, j'arrive. Ne peux-tu pas passer une seconde seule sans ta sœur? J'arrive. S'il te plaît, elle n'a jamais mis aussi long. Je crois que lui est arrivé quelque chose. Ce n'est pas normal. J'arrive, s'il te plaît. Ah, c'est pas possible. Où peut-elle être? Pourquoi ne vas-tu pas chez les gens qui mettent le toit là-bas pour me prendre un peu de bois? Hein? Au lieu de perdre ton temps à chercher ta sœur. Ekene. Ok. Jamais resté aussi longtemps auparavant. Adana!
Nika! Ah! Où est-elle? Oh mon Dieu! Adana! Nika! Adani! Nika! Adani! Mais qu'est-ce qu'il y a? Hey! Mais que s'est-il passé? Mais parle-moi! Parle-moi, que t'est-il arrivé? Je le savais. Je le savais que quelque chose n'allait pas. Oh, parle-moi, Adani. Que t'est-il arrivé? Ah, mais quelqu'un t'a blessé? Mais dis-moi, quelqu'un t'a touché? Mais parle-moi, non? Oh. Adani. Ok, viens, je t'emmène à la maison, d'accord? Allons à la maison. Adani, allez, monte, on y va. Allez, monte. Je le savais. Je le savais. Je le savais, je le savais. Je le savais. Maman. T'inquiète, hein? Ça va aller, hein? Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Tu ne me parles pas, pourquoi, hein? Parle-moi, non? Pourquoi restes-tu si silencieuse? Que t'est-il arrivé? Tu ne parles pas? Maman! Maman! Hein? Maman! Hein? Hey! Oh, tu n'es qu'aimé. Oh, Guéni! Maman! Hein? Je t'ai dit que quelque chose n'allait pas. Où est-il arrivé? Je t'ai bien dit que quelque chose n'allait pas. Je t'ai dit que j'allais la chercher. Hey. Est-ce qu'elle a bagarré avec quelqu'un? Hein? Maman, elle refuse de parler. Elle refuse de parler. Oh, maman. Je sais une chose. Quiconque dérange ma sœur dans ce village doit le payer. Hey. Adani, ne t'en fais pas, ok? Je suis là pour toi. Kenamo. Ok? S'il te plaît. Hey, Chuko Kike. Donne-moi. Parle à ta mère, que t'est-il arrivé? Hein? Ma fille. Maman. Que t'est-il arrivé? Parle-moi. Maman, ne lui demande plus rien. Ne lui demande plus rien. Hey. Je vais l'amener à l'intérieur. Je crois que plus tard, elle pourra nous dire ce qui s'est passé. Hey. Ah. Maman. Adani. Laisse-moi te. Tu iras très bien, ok? D'accord? Allons à l'intérieur. Hey. C'est comment? Ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Adani, calme-toi. Reste tranquille. Ekene est là pour toi. Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Tu iras bien, ok? Je t'emmène à l'intérieur. D'accord? Viens. Allons à l'intérieur. Viens, allons à l'intérieur. Maman. Mais maman, aide-moi à l'amener à l'intérieur. Que tu fais? Maman, je suis en train d'écrire la date de cette affreuse situation. C'est la première fois que je vois ma sœur aussi mal en point. Je sais qu'elle est blessée. Quelqu'un s'est permis de blesser ma sœur. Et cette personne doit payer. Cette personne doit payer. Le problème, c'est qu'elle ne parle pas. Elle refuse de parler à qui que ce soit.
Comment pouvons-nous savoir ce par quoi elle passe exactement? Hein? Personne ne sait si elle a été percutée par un véhicule ou autre chose. Ekene, ta sœur a dû être traumatisée par quelque chose, j'en suis certaine. Exactement ce que c'est, je ne sais pas. Ça va aller, maman. Pas besoin de t'inquiéter. C'est ma sœur. On partage tout ensemble, maman. Je crois qu'elle me parlera bientôt. Et si je découvre que ma sœur a été blessée par quelqu'un, il ou elle va payer. Il ou elle va payer. Non, Ekene, on n'en est pas encore là. Ma sœur. Je sais que tu l'aimes. Ma propre sœur. Non. Yeah. Je sais que tu aimes et te soucies énormément de ta sœur. Mais ce n'est pas une raison de faire quelque chose de stupide que tu regretteras toute ta vie. Ekene, mon fils chéri, s'il te plaît, ne fais rien de mal, j'ai compris. Hein? Ma propre sœur. Ta sœur, je sais. Hey, Seigneur, prends pitié de nous. Calme-toi, mon fils. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Arinze, pourquoi? Pourquoi? J'aurais pas dû le faire. Maman, bonjour. Bonjour, mon fils. Ekene, comment tu vas? Ah, maman, ça va. Maman, je vais bien. Comment va Neka? Neka va bien. Hein? Neka va bien. Tu ne dois pas continuer à te torturer de cette manière. Hein? Neka s'est réveillée en forme ce matin. Elle s'est lavée et est retournée se coucher. C'est vrai? Oui. Ah. Donc, elle va bien. Arrête de t'en faire autant. Ah. Moi aussi, j'ai beaucoup dormi hier. Oui, je peux le voir que tu as bien dormi. Maman, bonjour. Ekene, bonjour. Né? Maman, elle est là. Mm. Viens. Né, viens t'asseoir, ma sœur chérie. Je suis très content de te voir ainsi. Dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Bien. Écoute, pas besoin de t'en faire. Hein? Je fais toutes tes tâches. Toutes tes tâches. Vraiment? D'accord? Merci. Avant de dormir, tu as balayé la concession. Partout, ne t'inquiète pas. Et tu as aussi je vais la faire dans la maison et aussi dehors. Demande à maman, non? Merci. Adani, dis-moi. Que s'est-il passé hier? Tu nous as fait tellement peur. Ma sœur. Allez, raconte-moi. Je ne veux pas parler de ça. T'es sûre? Oui. Le
Le plus important maintenant, c'est qu'elle va bien. Hein? Ma fille, ma petite chérie, va dans ma chambre, sous l'oreiller, prends l'argent là-bas. Va au marché et achète ce qu'on va manger. Assure-toi de rentrer tôt parce que j'ai une réunion où je dois aller à 14 heures. Non, maman, non, 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 maman, non, je vais partir. Je veux partir. Maman, elle n'est pas encore assez rétablie. Ekene. Ekene, c'est quoi ton problème? Tu dors trop, cette fille, Ekene. N'oublie pas que c'est une femme, elle va se marier demain. Ekene, dis-moi, combien de temps seras-tu là pour elle? Ou tu iras la servir dans la maison de son mari pour toujours? Maman, mais c'est pour ça que je vais trouver un homme parfait qui prendra soin d'elle. Un homme parfait qui la traitera comme la reine qu'elle est, maman. Oui! Oh, l'argent! Donne-moi l'argent, je vais acheter ce que tu veux là. Pas de problème, Ekene. Va dans ma chambre. Sous l'oreiller, tu vas voir l'argent là-bas. Oui. Hein? Continue de dormir. Tu peux rester, hein? Tu n'iras nulle part. Regarde-le. Continue à la dorloter comme ça. Il y a quelqu'un? Hello? Oui? Oh. Toi? Je suis désolé. Je suis profondément désolé de ce qui s'est passé entre nous hier. S'il te plaît, pars. Reste loin de moi. Mais pourquoi? Je t'ai pas forcé. On s'est emportés tous les deux. D'accord? Je croyais que tu avais compris ce qui s'est passé. Écoute, ce qui est arrivé est arrivé. Ok? Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te sentir près de moi. Va-t'en. Je ne veux plus te pourquoi voir près de moi. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu me fais sentir plus coupable. Je suis profondément désolé. Pitié, pardonne-moi. Mettons ça derrière nous, je t'en prie. Puis-je te demander quelque chose? Quoi? Je t'en supplie. Je t'en supplie, au nom de Dieu. Je ne veux pas que mon frère soit au courant de ça. Il va me tuer. Faisons semblant, faisons comme s'il ne s'est rien passé. D'accord. D'accord. Du moment que tu me pardonnes. Juste, va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Non, non, non. Attends. Attends, parlons-en. C'est... Tu es là? Oui, frangin. Oh, désolé. C'est pas grave. Je suis allé au marché acheter des trucs pour ma mère. Oh, vraiment? J'espère que t'as trouvé tout ce que je voulais. Je l'ai fait. D'accord. Je sais que tu as dû m'attendre pendant longtemps. Non, c'est pas grave, je suis déjà en train de partir. Oh, non, 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 non. Je suis rentré. Rentrons là-bas. Tu as vu ma sœur? Oui, oui, je l'ai vue. Allons-y, je suis rentré. Ok, d'accord, tu marches d'accord. Devant. C'est bon. Oh, Nawao. Adane. Ekene, chérie, tu... Ah. Tu es rentré. Oui. Où est maman? Elle est allée à la réunion. Tu as perdu trop de temps et elle ne pouvait plus attendre. Elle est partie. Adani, les choses étaient tellement chères au marché. Je ne sais même pas ce que devient ce PO. Ah. Je t'assure. Mec, prends place. Merci. Oui, assieds-toi. Mec, est-ce que tu sais que... quelqu'un s'est permis de blesser ma sœur hier? Je te le dis.
Toute la journée d'hier, bah, notre maison, elle était comme une zone morte. Comme une maison de deuil, hein. Tout le monde était triste et morose. À l'heure où je te parle, hein, et jusqu'à présent, je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à ma sœur. Es-tu sérieux? Au cas où. Au cas où tu cherches une femme. Ma sœur que tu vois là, hein, est une femme de mariage. Ekene! Oui. J'aime la complicité entre vous deux. Merci. Hein. Elle est tout ce qu'on a. Je vois ça. Dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir? C'est bon, merci. Tu es sûr? Oui. D'accord, j'arrive. J'arrive. Ichi, soyez les bienvenus. Merci. Ono, j'espère que vous savez pourquoi nous sommes ici. Dis-nous. Le couronnement du prince est pour très bientôt. Juste dans 3 mois. Mais ils n'ont pas encore d'épouse. Ton fils ne peut pas être couronné comme roi sans avoir une épouse. C'est contre notre tradition. Ça fait juste quelques mois qu'il est rentré de l'étranger. S'il a des difficultés à trouver une épouse, j'ai 3 filles très belles. 3! Il peut choisir. Quoi? J'ai entendu. Il est vraiment incroyable, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai entendu. Vas-y. Comment peux-tu suggérer ces 3 baleines que tu gardes chez toi pour notre futur roi? Mes filles, des baleines. Mazi. Hein? Bon, dis-nous, comment veux-tu que la grosse fesse traverse cette porte? Bonne question. Jamais! Donc tu veux faire mourir notre roi de mort prématurée? Ne m'insulte pas. Qu'est-ce qui... Ne m'insulte plus jamais. Depuis quand l'embonpoint, le simple embonpoint est devenu un souci? Oh, qu'est-ce t'arrive-t-il? Oh. Dieu merci que tu as appelé ça un souci. Ce souci ne convient pas au palais. C'est un souci qui convient aux villageois. Trouve des villageois pour épouser tes filles. Ne viens pas proposer au prince d'épouser tes filles. Non, va les proposer aux villageois. Va les proposer aux villageois. Ne sais-tu pas qu'on a des jolies filles dans notre village? Et alors? Et dans le village voisin, il y en a aussi de très belles filles. Pourquoi devrions-nous choisir tes filles? Elles sont belles. Pourquoi devrions-nous choisir tes filles? Monsieur, arrête tes bêtises. Hein, vas-y, explique-nous. Pourquoi devrions-nous choisir tes filles? L'accord de mes filles convient à un roi. Oui, oui. Ferme-la. Tais-toi. Qu'est-ce qui vous arrive? Tais-toi. Ça veut dire quoi, ça? Mais... Hein? Écoutez, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Hein? Le prince fera un choix de son épouse quand le moment viendra. Exactement. Et c'est le moment. Hein? Au lieu de venir ici vous faire du grabuge pour dire rien du tout. Hein? Maintenant, ça suffit. Monsieur, ça suffit. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a carrément plus de temps. Donc, dépêchons-nous. Ah! Merci infiniment, chers anciens. Merci, ma reine. Vous tous, vous avez bien parlé. C'est vrai. Le temps n'est plus de notre côté. Dès le retour de mon fils, je parlerai avec lui. Et soyez assurés que vous aurez de nos nouvelles très bientôt. Dans ce cas, chers anciens, cette réunion arrive à son terme. Merci. Ma reine, merci beaucoup. Onowu, merci. Cher Itier, c'est l'heure. Rentrons chez nous. Rentrons. Ma reine, n'oubliez pas de dire au prince que mes filles sont là, hein? Pourquoi devrions-nous d'abord... Calmez-vous, quand le moment viendra. Tu peux nous le dire? Quand le moment viendra. Oui, les gens avec tes filles. N'importe quoi, dégagez d'ici. Allons-y. Tu es jaloux. Allons-y. Ce sont tes filles, hein? N'importe quoi. Leurs grosses fesses là sont ton fantasme, je le sais ça. Espèce de jaloux. Avance là-bas. Mon cher fils, les anciens ont tenu une réunion hier et ils ont dit que tu ne pouvais être couronné sans être marié. Mais maman, j'ai pas encore trouvé une femme que je vais épouser. C'est si urgent que ça? Mais ton couronnement est proche.
Il faut que tu te maries au plus vite. Il te faut absolument une femme pour que tu sois un roi respecté. Marie-toi. Car tu dois rapidement avoir un descendant pour consolider ton trône. Maman, je sais. Mon fils, il faut que tu te maries rapidement. Je cherche encore. Je ne voudrais pas choisir une femme dans la précipitation et le regretter plus tard. Et Linda, que fait-elle encore ici? J'espère que tu ne comptes pas faire d'elle ta reine. J'espère que tu ne le feras pas. Pardon? Je veux qu'elle s'en aille d'ici. Maman, je peux pas... Pardon? Comme ça. Jamais de la vie. Calme-toi. Je refuse. Elle doit s'en aller très vite. Je ne la supporte plus. Elle risque de te causer des ennuis. Crois-moi, et d'ailleurs pourquoi? Retardes-tu son départ? Parce que je ne veux pas la blesser. Je me fous qu'elle soit blessée ou pas. Comment tu peux dire ça? Hein? Comment est-ce que tu me trouves? Je sais que tu adores ça. C'est pas possible. Je t'ai dit que j'ai tout ce qu'il faut pour être la reine. Et je suis la fiancée élue. Que se passe-t-il? Linda, tout n'est pas une plaisanterie. C'est toi qui es en train de blaguer ici. Comment peux-tu dire à ta mère que tu cherches encore la fiancée idéale alors que je suis là? Tu crois que notre relation, c'est une blague? Écoute, ce qui est à moi est à moi. Et je ne permettrai à aucune femme de prendre ma place dans la vie. Jamais. Linda, arrête. Par pitié, arrête. Tu te fais un peu trop des films. Tu sais que je suis pas le genre à blesser une femme. Mais tu vas un peu trop loin. Je t'ai jamais promis le mariage. Et deuxièmement, on a une tradition dans ce royaume qui interdit au prince d'épouser une étrangère. Oh, vraiment? Oui. Tu dois être fou. Tu dois être malade, Arinze. Quand tu me câlinais et me caressais, en me disant que tu m'aimes, tu ne pensais pas à ça? Tu penses que tu peux me larguer? Jamais. Je n'accepterai jamais ça, Arinze. Tu dois être fou. Linda, je t'en prie. Je ne peux pas t'épouser. Je suis désolé. Ça va à l'encontre des traditions de mon royaume. Pardonne-moi, ok? S'il te plaît, je suis désolé. Ma reine. Oui? Je voudrais m'entretenir avec vous. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y a justement un problème. Je t'écoute. Mon séjour dans votre pays ne sera pas vain. J'aime votre fils. Et je veux qu'il m'épouse. Pardon? Nous sommes ensemble depuis longtemps maintenant. Et ceci depuis Londres. Il avait promis m'épouser. Mais en arrivant au Nigeria, ici, il change d'avis. Il ne fait même plus allusion à ce sujet. Encore moins me présenter à ses parents comme sa fiancée. Officiellement comme une femme qu'il souhaite épouser. Tu veux dire qu'Arinze, mon fils, t'a demandé en mariage? Oui, ma reine. J'en doute fort. Il ne ferait jamais une chose pareille. Ça va à l'encontre de nos traditions. Oui, vous avez peut-être eu une relation dans le passé. Mais pas le mariage. Arinze Tchoukou ne pourra jamais épouser une étrangère. Vous mentez! Pas le prince héritier du trône. Même si il a vraiment demandé ta main. Les gens de ce royaume n'accepteront jamais. Il faudra me passer sur le corps pour que je le laisse épouser une autre femme. Jamais! Qu'est-ce que vous regardez? Désolée, désolée.
Arinze. Arinze. Maman. Qu'est-ce que j'entends là? Non, qu'est-ce que j'entends? Maintenant, je veux cette fille hors de ce palais et ce, sur le champ. Maman, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends là? Hein? Pourquoi tu demandais la main d'une étrangère? Quoi? Comment peux-tu faire son royaume? Demande au bas. Après tous les conseils que je t'ai donnés avant que tu n'ailles à Londres, tu ne connais plus nos coutumes et traditions? Attends, je comprends pas. Est-ce que c'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Oh non, non. Elle a menti. Je n'ai demandé la main de personne. Je m'en fiche éperdument. J'ai pas demandé sa main. Je m'en fiche. Je veux cette fille hors de ce palais. Je vais la chasser d'ici moi-même. Maman, n'importe calme-toi, quoi. Calme-toi. Ne fais pas ça. Maman, je t'en prie. Attends. Attends, je t'en prie, arrête. Arrête, je t'en prie. Linda. Linda, écoute-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Arinze, après qu'est-ce m'avoir que tu es en train de faire? Mariage, me disant que tu m'aimes. Aujourd'hui, je me largue comme un vulgaire torchon. Nous allons tous mourir, nous allons crever. Non, Linda, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Ne fais pas quelque chose que tu vas regretter, d'accord? Oui. J'exagère, calme-toi. Je t'ai jamais promis le mariage, je ne l'ai jamais fait. Tu te souviens? Souviens-toi que c'est toi qui m'as dragué. Je m'avais dragué, souviens-toi. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Qui a dit que les femmes ne devaient pas draguer les femmes? Si je t'ai dragué, est-ce que j'ai commis un crime? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un crime de draguer? Non, pas du tout. Pas du tout. Si je ne peux pas t'avoir, d'accord, personne d'autre n'aura. On va tous crever. Non, 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 personne. Arrêtez-la. 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 Ne la lâchez pas. Lâchez. Arrêtez-la. Lâchez-moi. Je vais te tuer, Arinze. Venez avec elle. Lâchez-moi. Linda, qu'est-ce qui t'a pris? T'es devenue folle? C'est pas la même Linda que j'ai connue quand j'étais à Londres. Dis-moi, toutes les relations doivent-elles aboutir au mariage? On peut pas rester des bons amis? Tu veux pas me voir heureux? Je vais te Tu es allé beaucoup trop loin. Mais s'il te plaît, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi mon amour. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur oh, moi. Oh oui, tu l'as fait. Pardonne-moi, bébé. Et t'as même essayé de brûler le palais, avec tous les habitants y compris. Oui, bébé, je l'ai fait par amour, mais s'il te plaît... Par amour? Tu voulais me tuer par amour, c'est ça? Bébé, s'il te plaît. Tu me connais depuis Londres, ne fais pas ça, je t'en prie, s'il te plaît. Détachez-la. Merci, détachez-la, bébé. S'il vous plaît. Détachez-moi. Tu dois apprendre à contrôler tes Bien émotions, sûr, c'est pas bien, c'est pas bien comme ça. Et toi, écoute-moi. Merci. Allez, maman. Lève-toi et pars d'ici sur le champ. Oh, maman, si je te revois, à nouveau, près de ce palais. Bébé. Maman. Je te découperai en morceaux. Je t'en prie. On peut pas la laisser partir comme ça. Regarde, elle est dévastée. Oui. S'il te plaît. Cette Jézabel, c'est... Je ne veux plus revoir ses pieds dans ce palais. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle peut mettre quelque chose d'autre? Arinze, hein? Ne me pousse surtout pas. Oh, bébé. Garde. Okay, jetez-la dehors. Je vais la déposer. Arinze. Je t'en prie. Reste en dehors de ça. Maman, s'il te plaît, laisse-moi la déposer. Garde, maman, vous êtes encore là. Bébé. Si, c'est Allez, bon, faites-la sortir de ce palais. Je suis désolé. Maman, s'il te plaît. Il n'y a rien que je puisse faire là maintenant. Parle-lui. Dites-lui quelque chose, je t'en prie. Oh, mais non. Qu'est-ce que... Vous ne pouvez pas la porter. Allez. Portez-la. Allez avec elle. Mon bébé, je t'en prie. N'importe quoi. Quelque chose. Je t'aime. Non. N'importe quoi.
n'est pas la fin. Les Camerounais ne perdent jamais. Vous dites Itié. Oui, Naï. Hey. Vous dites que cette Camerounaise est partie. Pourquoi avez-vous fait ça? La Camerounaise est partie. Hey. Oh. Elle n'aurait pas dû. Elle devait rester plus longtemps. Hey. Cette fille m'a rappelé l'époque où j'étais au Cameroun. Quand on dansait, Oli Passi, Oli, vous ne pouvez pas comprendre. Il y avait une chanson qu'on appelait Oli Pansi. Vous savez, cette fille m'a rappelé ces jolies courbes. Ces jolies courbes des Camerounaises. Avec la grosse... Itié. On parle de ce qu'elle a fait. Elle a essayé de brûler ce palais. Et tu es là à parler de Oli Pansi et tout ce que tu aimais chez les filles Camerounaises. Ne comprends-tu pas ce dont nous parlons ici? C'est pas croyable. Itié Diofor. Itié Diofor. Non. Aïe! Maintenant, je sais que tu ne te sens pas très bien. La mort de ta femme a affecté ton cerveau. C'est pour ça que tu racontes des bêtises. Lola, tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre quoi? Dis-moi qu'il n'aurait pas fait la même chose. La pauvre fille avait pour l'ambition d'épouser notre prince. Une belle fille comme ça mérite un homme comme moi. Honnêtement, une fois une mariée comme moi. Sincèrement, vous m'avez fait du mal. En chassant ma Laval, les vieux. Pourquoi vous avez fait ça? Une belle femme comme ça avait de gros seins. Vous n'avez pas vu ces gros seins quand on faisait sport? Ça faisait... Et je me sentais très bien. Je savais que le prince ne pouvait au grand jamais l'épouser. À cause de nos traditions, je le savais. Mais vous l'avez chassé. Je n'ai pas... Pas une fois, à un moment de notre relation, que ce soit à Londres, au Nigeria, en Afrique, où que ce soit, promis le mariage à Linda. Oh, tu vois? Jamais je ne lui ai fait miroiter. Je ne lui ai jamais dit qu'on passerait le restant de notre vie ensemble. Oh. J'ignore pourquoi, soudainement, elle a... Vous voyez, elle a perdu la tête. Elle était pour et moi. Et a essayé de brûler le palais. Mon fils. Oh, Itié, de quoi tu parles là? J'essaie de te dire mon que... Fils, elle a, c'est bon, elle a... c'est bon. D'accord. Le plus important maintenant, c'est qu'elle soit hors de ta vie. Donc, nous devons commencer à chercher une épouse convenable pour toi. Le plus tôt possible. Oui. Laval, les vieux. Pourquoi tu chasses la femme de mes rêves? Pourquoi l'as-tu fait? Itié Diofor. Oui. N'as-tu pas honte de toi? Itié Diofor, n'as-tu pas honte de toi? Lola. Espèce de dévergondé. Lola, écoutez, vous avez gâché ma vie. Il faut avoir honte de toi, Itié. Comment avez-vous pu chasser ma Laval, les vieux? Tu cherches une épouse pour ton fils. D'accord, mais tu as chassé ma femme. Oui, tu l'as chassée. Sérieux, regarde-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je viendrai encore faire ici au palais? Qu'est-ce que je viendrai encore faire? À quoi ça me sert encore de venir au palais? Non, dites-moi. Laval, les vieux n'est plus là. La femme que je devais épouser, voilà que vous l'avez chassée. La femme que les dieux m'avaient donnée. Mais quelle bêtise! Hey! Je suis fichu. D'ailleurs, ça ne me sert plus à rien de venir ici. Mon amour! Laval, les vieux. Adane, viens. Hey! Il y a quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai appris que le prince de Mondoba cherche une épouse. Et alors? C'est un membre de ta famille? Adane, tu n'es pas content d'entendre cette nouvelle? Adane, toutes les autres filles sont en train de se réjouir. Et prie d'être l'heureuse élue. Et tu es là à me demander. Et alors? Non, je ne veux pas. Je veux mener une vie simple. Je veux épouser un homme qui va m'aimer. J'ai entendu dire que ces princes et ces rois sont trop arrogants. Ils n'ont aucun respect pour leurs femmes. Ils traitent leurs femmes comme des esclaves. Je ne veux pas être dans cette position. Non, Adane. Adane, ne dis pas ça.
Les as-tu déjà côtoyés? As-tu déjà vécu avec eux? Adani, les filles qui travaillent là-bas, les filles qui bossent au palais, elles sont prêtes à se tuer entre elles juste pour être dans ce palais. Elles sont prêtes à s'entretuer juste pour être la femme du roi. Je ne veux pas. Pardon, Adani, je veux juste le meilleur pour toi, s'il te plaît. Souviens-toi. Peut-être que cette occasion-là va nous aider à sortir de la pauvreté. Pardon. Adani, s'il te plaît. Et ma réponse est toujours non. Aïe. Je ne veux pas y aller. Je préfère mener ma petite vie toute simple que de vivre comme une esclave. Hé, hey, Adani, s'il te plaît. Dans la maison. Adani, s'il te plaît, change ta vie. Je n'y vais pas. Adani, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Adani, s'il te plaît. Il fait chaud cet après-midi. De grâce, Ekene, va dans ta chambre et rafraîchis-toi la tête. Tu me casses les oreilles. Laisse-moi là à l'intérieur pour dormir. C'est quoi? C'est quoi même? Adani. Va donc épouser le prince, oui. Vas-y, danse et épouse le prince toi-même. Peut-être qu'il va te choisir. Hey. Pars. Regarde la maison de notre père. Adani, tu es content de... Tu es content de cet endroit où on vit? Hey, Adani. Oh, pourquoi tu es même comme ça? Hey! Pourquoi? Pourquoi tu me hais autant? Ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas rentrer en arrière. On ne peut qu'avancer. C'était pas de notre faute. On s'est laissé emporter. Je me blâme encore pour tout ça. Mais écoute, laissons tout ça derrière nous. Et recommençons. Redevenons des amis à nouveau. Il y avait ce magnifique, angélique sourire sur ton visage chaque fois que tu me vois. Je ne le vois plus maintenant. Je t'en prie. J'ai encore beaucoup de difficultés à oublier. Voyons. J'ai trahi mon frère. J'ai trahi ma mère. Il croit que je suis toujours vierge. Et je ne le suis plus. Ok, dis-moi. Que vais-je leur dire? Que vais-je dire à mon futur époux lors de notre première nuit? Ma fierté de femme n'est plus. Tout ça à cause de ma stupidité. Alors épouse-moi. Non. Non? Pas par pitié. Voyons. Je vais épouser un homme qui m'aime réellement. Je vais épouser un homme qui veut vraiment de moi. De plus, on se connaît à peine, tu ne m'aimes pas. Et ça, je le sais. Neka. Je serai de toi la femme la plus heureuse sur la terre. Je te le promets. Oh. Écoute, je t'en supplie. Par pitié, oublie-moi. Oublie ce qui s'est passé. Ne dis rien à mon frère parce que je sais qu'il dira oui. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas du tout. Tu veux te racheter pour ce qui s'est passé? Non. Je te pardonne, d'accord. S'il te plaît, ça suffit. Tu ne m'aimes pas. Je t'en prie, s'il te plaît, attends. Neka! Oh. Et voilà qu'elle recommence. Nao. Ekene. Ah, bienvenue. Comment tu vas? Bien, s'il te plaît, assieds-toi. Oh. Dis-moi, tu es là depuis? Non, je viens d'arriver. Oh, je suis tellement épuisé. Oh. Je suis tellement fatigué. Je sais. Courage. Ah, j'ai une question, mon frère.
t'écoute. Je veux que tu me dises quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi la vérité. Je sais que tu aimes bien ma sœur. Et tu ne viens pas ici. Et tu ne viens pas ici seulement pour moi. Non. Mais oui. Ne me prends pas pour un aveugle. Je ne suis pas un aveugle. Je sais qu'elle te plaît. Hein? Dis-moi la vérité. Eh bien, même si je l'aime bien, je ne sais pas si elle va m'accepter. Hein? Ce que je veux entendre de toi, c'est oui. Qu'elle te plaît. Laisse-moi faire le reste. Je veux que tu me dises. Que fais-tu dans la vie, hein? Je veux bien savoir. Quel est ton travail? Et Kenne, tu veux seulement tout savoir sur moi ou quoi? Mais oui, bien sûr. Hein? Tu n'es plus un visiteur dans cette maison. Tu n'es plus un visiteur dans cette famille. Mais je dois aussi te connaître, mon frère. Eh bien, je suis diplômé. Mais je cherche encore du boulot. Tu sais combien c'est difficile dans ce pays. Nigeria est dur. Diplômé? Oui. Tu es diplômé? Oui, mais je n'ai pas de... Hey! Mais tu as un avenir brillant, oh! Ta vie peut changer comme ça un jour. C'est ce qu'on espère tous. Hey! Oh, mais pas comme nous, Seigneur. Pas comme nous, dont la vie va se terminer dans la famine. On cultive toute l'année. Hey! Diplômé! Quel niveau d'études as-tu atteint? L'école primaire, hein? L'école primaire. Et ta sœur? Ma sœur, elle s'est arrêtée au secondaire. C'est bien. Ah! Pour ça, on a fait de notre mieux pour s'assurer qu'elle finisse ses études secondaires. Mais il n'y avait plus l'argent. Qu'elle continue ses études universitaires. Ah. Oui. Ça me rappelle un truc. J'ai appris qu'il y aurait une compétition dans ton village. Que le prince de ton royaume va choisir une épouse. Est-ce que c'est vrai? Je l'ai appris, moi aussi. Et il est gentil, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Ta sœur va-t-elle participer? Ah, celle-là. J'en sais rien, moi. Je ne la comprends pas ces jours-ci. On était bien proches avant. Mais je veux m'assurer. Je veux m'assurer qu'elle participe. Car je veux le meilleur pour elle. Oui. Oui, elle viendra. Ce serait chouette. Et Kenne. Hey! Arrêtez. Tu vois, j'aime la façon dont tu te soucies de ta sœur. Oui. C'est la seule sœur que j'ai. Il n'y a qu'elle et moi. Je ne dors pas avec elle. Et si quelqu'un venait à s'amuser avec ma sœur, je tuerais cette personne. Parce que je l'aime énormément. Ouais. Je ne blague pas avec ma sœur. Je comprends bien. Hey! Adani. Hey! Adani. Adani, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Hein? Tu fronces le visage comme ça, pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Adani? C'est quoi ton problème? Adani, ce n'est pas ma sœur que je connais depuis. Hein? Laisse-moi te dire, Ada. Tu ne rajeunis pas du tout, hein? Tu ne rajeunis pas du tout. Oui! La femme est une fleur. Adani, tu es en train de vieillir. Écoute, Arinze est un diplômé. Ada, Arinze est un diplômé. Et il te veut. Il t'aime bien. Vous devez vous faire un couple parfait. Oui. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il t'a dit. Donc, après avoir averti cet homme, qui ne te dit pas qu'il veut m'épouser, il a quand même eu le courage d'ouvrir sa bouche. Waouh, pour verser toutes ces saletés de sa bouche. Hein? Après l'avoir averti de ne rien te dire. Après l'avoir averti, il a quand même fait. Je ne l'aime pas. Je ne veux pas l'épouser. Je ne veux pas l'épouser. Attends. Ada. Ai-je bien entendu? Attends. Tu es sûr que tout va bien dans ta tête? Ma sœur, attends. Ce bel homme t'a demandé un mariage et tu l'as rejeté? Mais je ne l'aime pas. Ada, tu lui as même dit de ne rien venir me dire à moi? Oui. Je savais que tu allais forcer à l'épouser. Tu veux ma mort sur cette terre ou quoi? Tu fais semblant, tu prétends vouloir mon bonheur. Tu me hais. Hey. Tu me hais, tu ne m'aimes pas. Tu veux me faire épouser un parfait inconnu. C'est parce que tu veux. Je ne l'épouse pas. Je vais profiter de cette situation pour
pour savoir si tu es l'homme de cette maison ou c'est moi. Je saurai si tu es l'homme de cette maison ou c'est moi l'homme de cette maison. Tu dois l'épouser. Il te veut et je veux qu'il t'épouse. Tu vas l'épouser. Dans tes rêves. On va voir. Dans tes rêves. Tu me défies? Oh. On va voir. On verra on bien. On verra ça dans cette maison. On verra donc bien. Donc tu me mets au défi. On va voir ça. D'accord, on verra tu ça. Tu vas l'épouser. Et en plus, tu insistes. Tu vas l'épouser. Donc tu insistes. Tu vas l'épouser. Tu oses le temps devant moi? Laisse-moi tranquille. Va là-bas, espèce de chef. Ne t'en fais pas, tu dois l'épouser. Tu dois l'épouser. Comment peux-tu me guider d'épouser un parfait inconnu? Je ne sais pas s'il m'aime ou pas. Je ne sais pas s'il a des sentiments pour moi ou pas. Tu veux que je l'épouse? Et tu prétends m'aimer? Je sais que tu me hais. Tu n'es pas un bon frère. Et Kenny, qu'est-ce que tu as? Hein? Quelqu'un t'a offensé? Maman, tu es mon problème. Tu dis? Maman, tu es mon problème. Hein? Tu es mon problème. Mais tu n'as même pas notre temps ici. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans cette maison. Tu sors le matin pour aller soit à Ofomaka ou tu vas à Tenkandoa ou au Kurundu. C'est tout ce que tu fais dans cette maison. Tu ne te soucies de rien. Tu ne sais plus ce qui se passe dans cette maison. Hein? C'est toi mon problème. Ekene, tu as encore l'âge où je dois te donner le sein? Hein? Donc, dis-moi pourquoi je devrais rester à la maison. Pour te donner le sein? Ou quoi? Est-ce que je ne vous laisse pas manger ici? S'il y a quelque chose qui arrive en mon absence, pourquoi ne pas me le dire? Plusieurs choses, maman. Maman, beaucoup de choses se sont passées. Et tu n'en sais rien. Vas-y, dis. Tellement de choses. Et qu'elle me raconte. Si je te dis ce qui se passe ici, tu ne seras pas contente. Maman, c'est que Neka, ma sœur. Ma sœur que je connais depuis, maman, ma sœur. Comment ça? Neka, ma sœur que j'aime et dont je me soucie, n'est plus ma sœur que je connais depuis, maman. Maman, j'ai une question. Si je peux me permettre. Arinzi n'est-il pas un homme bien? Il en a l'air. Hein? Maman, est-ce que Arinzi n'est-il pas un bel homme? Bien sûr. Quelle question. Il est mignon, en fait, très beau. Hein? Ok. Pourquoi me parles-tu d'Arinzi? Ok. Maman, sais-tu que Arinzi s'est permis de demander la main de ma sœur Neka? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es sérieux? Hein? T'a-t-elle donné les raisons pour lesquelles elle a dit non? Non. Elle n'a absolument rien dit. Et Kenny? Maman. As-tu réussi à en savoir plus sur ce jeune homme? Sur sa famille à Omonduba? Non, maman. Ah, c'est la première chose que tu étais censé faire. Va et renseigne-toi davantage sur lui. Avant de commencer à forcer ta sœur à l'épouser, peut-être c'est pour ça qu'elle le repousse. Est-ce que tu sais si elle a découvert un truc négatif sur ce jeune homme qui la pousse à dire non? Ok, maman. D'accord. Bien. Parlons d'autre chose maintenant. Maman, j'ai compris qu'il y a une compétition à venir à Omonduba. Le prince du royaume d'Omonduba doit choisir son épouse. Maman, je l'ai dit à Neka, ma sœur. Et elle a dit qu'elle ne compte pas y participer. Eh oui. Maman, je pense que Neka est déjà folle. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'elle ne compte pas y participer. Et tu la laisses dire ça? Que veux-tu que j'y fasse, maman? Que veux-tu que j'y fasse? Hein? Maman, je ne peux rien y faire. Oui, en fait, pas de problème, hein? Pourquoi veut-elle manquer une telle occasion en or? Bonne question. En fait, mon fils, ne t'en fais pas. Aïe. Elle doit assister à cette cérémonie, qu'elle le veuille ou non. En fait, elle va me dire si je suis sa mère ou non. Qu'elle le veuille ou non, elle va y aller. Maman, tu as bien raison. Elle va y aller. Elle doit y aller. Elle va y aller. Elle doit y aller. Oh, pour qui se prend-elle? Je ne veux pas y aller. Pour qui se prend-elle, cette fille? Elle refuse d'épouser un prince. Bah, elle va y aller.
Écoutez, le prince du royaume de Moduba choisira une femme demain. Si vous venez, rassurez-vous d'être vierge. Si ce n'est pas le cas, ne venez pas pour éviter une humiliation. Communiquez du palais. Attention toutes les filles, écoutez, soyez attentives. Le prince du royaume de Moduba choisira une femme demain. Le prince? Oui. Mais ne venez surtout pas si vous n'êtes pas vierge. Pour vous éviter une humiliation. C'est un communiqué du palais. Ah! Le prince de Moduba va choisir sa femme. Hey! J'ai confiance en ma sœur. Ma sœur est encore vierge. Je vais m'assurer qu'elle parte à cette cérémonie. Ma sœur ira là-bas. Écoute, je dois y être. Moi aussi. Le prince. Écoute, chérie, je suis déjà là-bas. Je ne peux pas manquer ça. Je dois y être. Hey, moi aussi. Je suis prête à être la reine de ce royaume. Hey. Tu as l'air si différente et magnifique aujourd'hui. Merci. De rien. Tu as perdu tellement de temps. Et je ne crois pas que mon frère va rentrer de si tôt. Crois-tu que je suis toujours ici à cause de ton frère? Je viens ici parce que j'aime voir ton visage. Plus vite tu arrêteras. Mieux ce sera pour toi. Je n'abandonnerai pas. Ça me rappelle un truc. Le prince du royaume d'Omondumba va choisir une épouse demain. Viendras-tu? Est-ce une blague ou quoi? Non, c'est une blague. Pardon? Tu es d'Omondumba, n'est-ce pas? Oui. Et je suis sûre que tu as entendu le cri public. Dire que toutes les filles qui vont y participer, toutes celles-là qui seront candidates, doivent être vierges. Et je ne suis pas vierge. Je suis sûre que tu l'as entendu. Non, non, pas jusqu'ici. Tu ne le savais pas. Oh, c'est pas vrai. Je dois partir. Excuse-moi. Ma? Oui, fiston. Qu'est-ce que j'entends là? Dis-moi, à quel sujet? Que la femme que je suis censée épouser doit être vierge. Dis-moi que c'est pas vrai. Mon fils, sais-tu qu'il y a des choses qui se passent? Nous avons décidé de changer cela à cause de ce qui est arrivé au royaume des Yala. La nouvelle épouse du roi était enceinte de 3 mois d'un autre homme avant son mariage. Et nous ne voulons pas qu'une telle chose arrive à notre royaume. Oh, voyons, mère, c'est pas une garantie, ça. Oh, mon fils. Et une femme infidèle reste une femme infidèle. J'épouserai la fille que mon cœur choisira. Qu'elle soit vierge ou non. Fiston, il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. La décision a été prise par le grand prêtre et les anciens. Et l'annonce a été faite. Donc... Oui. Jamais de la vie, maman. C'est totalement inacceptable. Ok? Complètement inacceptable pour moi, mère. Le grand prêtre et les anciens ne détermineront pas ce qui me rendra heureux le restant de ma vie. On devrait parler de ça. J'en viens. Sérieux, ça n'a pas de sens. Qui a dit qu'une vierge est une femme fidèle? Adani, ça va aller, hein? Désolé, ce n'est qu'une fièvre, c'est juste une fièvre. Maman... Adani, arrête de pleurer, non? Hein?
Arrête de pleurer. Ça va aller. Adané, tu sais quoi? Je m'en vais chez le pharmacien t'acheter des remèdes. Hein? Désolé. J'arrive, Adané. Oh. Adané, t'inquiète pas, ça va aller, je reviens tout de suite, hein? Heureusement que tu es là. Que tu vas? Peux-tu aller chez moi rester avec ma sœur? Elle ne se sent pas bien. Mon Dieu. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois qu'elle a de la fièvre. Je vais aller lui acheter des médicaments. D'accord. Dépêche-toi, je vais rester avec elle. Ok, reste avec elle. Vas-y. Je me dépêche. Oh mon Dieu, elle est vraiment malade. Je suis là, d'accord? J'ai vu ton frère. Il m'a dit que tu es malade. Reste avec moi. Je suis là. Je vais rester avec toi jusqu'à ce qu'il revienne. Reste oui, avec moi. Oui, ton frère va revenir bientôt avec tes médicaments. Ok? Reste avec oh, Seigneur. Moi. Ça va aller. Reste avec moi. Je ne vais nulle part. Ça va aller. Calme-toi simplement. Ça va aller. D'accord. Je suis là. Ton frère n'est pas très loin. Ça va aller. Tout ira bien. T'inquiète pas, ça va aller. Tout ira bien. Je suis là. Tu reste bouges pas. Avec moi. T'inquiète. Je suis là avec toi. Reste avec moi. Oui, elle s'est enfin endormie. Et je crois que d'ici la soirée, elle ira mieux. Mais Kenny, je crois pas vraiment à l'automédication. Il aurait été mieux de l'amener à l'hôpital. Et le docteur aurait prescrit le bon traitement pour elle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nda Dulia, elle a travaillé dans une clinique. Et elle est notre médecin de la famille depuis très longtemps. Tu n'as pas à t'inquiéter à propos de Neka. C'est comme ça qu'elle fait souvent, à chaque fois qu'elle est malade. Elle va mettre tout le monde sur pied de guerre. Je crois qu'avant la soirée, elle ira bien. Hein? Et ta mère? Maman est partie faire ses affaires. Elle sort le matin et elle revient tard le soir. Maman aime l'argent. Bien sûr, tout le monde l'aime. Elle adore l'argent. Tout le monde adore l'argent. Avant que je n'oublie. Oui. Tu sais, on est amis et depuis un bon bout déjà. Oui. Et je ne sais toujours pas d'où tu viens. Dis-moi, de quelle partie de Munduba tu viens? Nandobo. Oh. Je t'ai dit que je suis parenté à la famille royale. Tu me l'as dit, oui, c'est vrai. Oui. Oui, en même temps. Tu es le seul à me rendre visite. Oui, à me rendre visite. Je veux te rendre visite aussi, hein? Je veux aussi venir te rendre visite chez toi. Tu ne trouves pas? Mon frère. Voilà. Tu as raison. Ok, écoute ça. Le couronnement du prince aura lieu dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Ah. C'est très proche. Du coup, je t'invite avec ta sœur. Fais-moi confiance. Oh. J'aurai le temps de m'occuper de vous deux. Oh, ça serait super. Oui. Assure-toi de me garder du vin de palme et de la viande de brousse ce jour-là, hein? Ça sera pas un problème. Tu auras tout en double portion. Super. Super. Ekene. T'es debout? Oui, je vais mieux ce matin. Tu es une sorcière, je t'assure. Tu es une sorcière. Une minute, tu es malade. La minute qui suit, tu es guérie. Ne sais-tu pas que les remèdes de Nda Julia agissent très vite? Attendez, c'est vrai, hein? Dieu utilise vraiment cette femme pour aider les pauvres. Oui. Aïe! Alors, d'où viens-tu? Parce que j'étais vue revenir de la route. Oui, j'étais accompagnée à Renzi. Oh,
C'est vrai, il était là. Oui, il était ici avec toi depuis. Est-ce qu'il m'a laissé un quelconque message? Du genre? Non, laisse tomber, je blaguais. Toi là, après tu vas faire comme si tu ne veux pas de lui. Hé, laisse-moi tranquille. En tout cas, viens, j'ai quelque chose à te montrer dans la chambre. Quoi? Ça va te plaire, allez, viens. Viens. Que veux-tu me montrer maintenant? Viens voir, j'ai quelque chose à te montrer, hein. Je suis content que tu sois déjà rétabli. Ah, laisse-moi tranquille. Regarde comment tu m'as blessé. Oh. Mais non, désolé. Adam, ma chérie. Laisse-moi tranquille. Adané, chérie. Hein? I think I went too far, but I'm not regretting it. But the thing is that I never wanted to end this way. All I want to show you is how much I feel for you. But since it turned out this way, I have found a more I could have fooled myself up. I couldn't have done it at all. Oh yeah, right now the date is done. Hey yeah, maybe go. Ebere! Ebere! Oui? Ha! Chichi! Ah! Vu la façon dont tu es habillée, tu ne vas pas à la cérémonie? Ah, Chichi, il y a encore du temps, hein? La cérémonie aura lieu le soir, il y a encore du temps. Écoute, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, tu n'es même pas encore habillée. Ah, écoute, aujourd'hui ce sera très serré. On saura qui sont les vierges et qui sont les saintes. En ce qui me concerne, j'ai confiance en moi. Écoute, tout le corps est serré, tout est bien serré, tout est OK. Chichi, cette fonction n'est que pour les vierges uniquement. Es-tu vierge? Je pensais que tu avais un petit ami. Attends, ça veut dire qu'il ne t'a jamais touché? Ce sont juste des caresses et des bisous normaux. Rien de grave, rien de plus. Chichi! Hein? Chichi! Hein? Des baisers de la romance, depuis 2 ans déjà. Hé! Hey. Oh. Chichi! Arrête attends, de mentir! Ebere, en quoi est-ce que ça te concerne? Tu étais là? Tu étais là quand il me touchait? Désolée, ça ne sera jamais mes affaires. En ce qui me concerne, j'ai hâte de devenir la nouvelle reine de ce village. Hmm? Mais attends, dis-moi un truc. Je croyais que tu étais née de nouveau et que tu allais te marier avec ton pasteur. En tant que chrétienne, chrétienne née de nouveau. Tu veux aussi aller là-bas? Qui ne voudrait pas épouser le prince, prince Arisé? Un très beau prince. Moi aussi, j'ai très hâte d'être sa femme, tu sais. Oui. Ok. Pas de problème, je vais aller me préparer. Hein? On se retrouve là-bas. Ok. À plus tard, hein? On se verra là-bas. Bye. Ami. Ha! Adané! Adané, oh! Adané, viens. Écoute, le moment est arrivé. Quel moment? Je veux que tu ailles à l'intérieur. Habille-toi bien et prépare-toi. L'heure de la cérémonie est presque arrivée. Quelle cérémonie? Ah! Mais n'est-ce pas, je t'ai dit que le prince d'Omoduba choisit sa femme aujourd'hui? Tu dois être là-bas. Entre, habille-toi bien. Écoute, je crois qu'il va te choisir. Kenny, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Combien de fois vais-je te dire que je ne veux pas aller à cette cérémonie? Je ne veux pas y aller. Ok, connais-tu cet homme? Connais-tu ce prince dont tu parles en personne? L'as-tu déjà vu? Sais-tu s'il a un bon caractère pour ta sœur? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais c'est quoi ton problème? Adani, tu veux qu'on meure dans la pauvreté? Et toi, tu veux me vendre?
Oh, tu veux me vendre pour quitter cet endroit? C'est ce que tu dis. Adani, je ne te vends pas. Non, c'est ce que tu as dit. Non, mais... Je veux que je me marie avec un prince. Juste à cause de l'argent. Oh, maintenant je sais que tu me hais. Regarde-toi. Tu me hais. Tu me hais. Mon frère, coupe ma tête. Non, prends ma tête. Prends ma tête. Coupe-la et utilise-la pour cette cérémonie. Adani, tu t'entends même parler? Mais c'est quoi ton problème? Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est le moment. Et il y a une opportunité que tu dois saisir, Adani, et tu veux la manquer. Je ne peux pas, je ne pars pas. Va t'habiller et on va là-bas. Je ne vais nulle part. Tu dois y aller. Je ne pars pas. Adani, tu dois partir. Je t'attends ici. Adani, habille-toi et on va là-bas. C'est quoi ton problème? Adani, c'est quoi le problème? Tu n'as pas l'air contente. Je ne suis pas contente. On me force à faire ce que je ne veux pas faire. Qui te force à faire ce que tu ne veux pas faire? La cérémonie. La cérémonie au royaume de Moduba, je ne veux pas y assister. Ok, et si le prince me voit et m'aime bien? Que vais-je faire? Tu sais que je ne veux pas épouser un homme que je n'aime pas. Je cherche le vrai amour. Je ne veux pas y aller. Écoute, calme-toi, d'accord? Personne ne te fera de mal. Je suis sûr qu'il veut le meilleur pour toi. Non, je ne crois pas. Il me déteste. Non, je ne crois pas. Il veut me vendre. Non! Écoute, je ne cours pas après l'argent. Je ne suis pas après le pouvoir. Oui. Tout ce que je veux, c'est l'amour. Je me fiche si j'épouse l'homme le plus pauvre de ce monde. Je m'en fiche. Je ne veux pas épouser un homme riche. Je veux juste mon bonheur. C'est bon. S'il te plaît. C'est bon. Parle-lui. Je sais que tu es son ami. Je vais lui parler. Je sais qu'il va t'écouter. Oui. Écoute, ne laisse pas cela te perturber. C'est pas un gros problème. Okay? Parle-lui. Je lui parlerai. Merci. Allez, fais-moi un sourire. Ton visage est très drôle. Adani, fais vite. Hein? Dépêche-toi. Hein? Neka. Adani, dépêche-toi. Pardon, fais vite. Neka. J'ai dit que je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Arrêtez de me forcer à faire ce que je ne veux pas faire, non. Neka. Peux-tu me donner juste une raison? Hein? Dis-moi pourquoi tu ne veux pas aller à cette cérémonie. J'ai appris que toutes les filles qui doivent aller à cette cérémonie doivent être vierges. Neka, as-tu été déflorée? Neka, j'espère que ce que je pense n'est pas vrai. Non, maman, arrête. Hein? Je peux parler comme ça alors que j'ai raison. Oh. Maman, arrête, s'il te plaît. Hein? Je fais confiance à ma sœur. Arrêtez quoi? J'ai confiance en ma sœur. Neka ne peut rien faire pour humilier notre adorable famille. Hein? Né, s'il te plaît, fais vite. Arinza promis d'être là-bas. Peut-être il nous attend. Partons, s'il te plaît. Je ne pars nulle part. Maman, tu ne pars pas avec nous? Je ne pars pas. Que Neka aille et participe. Né, fais vite. Hein? Va t'habiller. Hein? J'ai dit que je n'irai nulle part. Neka! Mais Neka, va t'habiller. Neka, je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Vous allez seulement me tuer. Allons-y. Mais c'est quoi ton problème? Neka, ne me pousse pas. Hein? Le fait de cette chaise. Tu vas aller me vendre. Tu vas aller me vendre. Non, je veux juste le meilleur pour toi, Neka. Tu me détestes. Non. Tu me détestes. C'est le meilleur pour toi que je veux. Je ne pars pas. Attends, tu vas voir. Maman, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Mais allons-y. Dépêche-toi. Adani. Pars, va rejoindre les autres et montre-toi. Adani. Viens, on y va. Qu'est-ce qui te prend même? Tu ne veux pas que je sois la belle-mère de la famille royale? Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. En fait, tu ne m'as pas donné une raison concrète de ton refus de participer. Avec sa tête comme le marteau. Ma petite, écoute, je vais tourner mes reins pour le prince. Je vais secouer mes fesses comme je ne l'ai jamais fait. Je vais tourner mes reins pour le prince. Pour qu'il me remarque. Titi, ça c'est une occasion en or. Je t'assure, ma chérie. Je ne la manquerai pour rien au monde. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Dépêchons-nous. Je ne veux rien rater du tout. Rien. Tu sais, tu ne devrais pas. Thank you.
si tu es ici et tu sais que tu n'es pas vierge, je répète, si tu es ici et tu sais que tu n'es pas vierge, sors des rangs. Avant d'être embarrassé. Si tu sais que je n'ai plus vierge, va-t'en. Avant de continuer, les jeunes filles devant nous vont mettre leurs pieds sur cette peau de bête. Et on saura si elles sont pures, si elles sont vraiment vierges. À quoi les bains coulent ? Vous le ferez l'une après l'autre. Par là. Ne me perdez pas le temps. Oulibo. Bah, yeah. Par là. Et vite. Par là. Par ici. Vite! Par là. Faites vite.
Par là. Avance. Dehors de ces deux-là. Les jeunes filles qui sont placées là-bas ne sont pas vierges. Hey! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quoi? Même ma fille. Ce n'est pas possible. Vous croyez que vous pouvez tromper les dieux? Pour avoir désobéi aux dieux de notre royaume. Vous serez puni sévèrement. À vous deux, en face de moi. L'une est vierge. Et l'autre ne l'est pas. L'une porte un enfant. Et où ? Et où ? Comment tu as osé ? Tu ne peux pas tromper les dieux de notre royaume. Tu ne peux pas. Comment as-tu cru pouvoir imposer une grossesse à notre prince? Tu ne peux pas. Les dieux sont sages. Pour avoir tenté les dieux de notre royaume. Tu connais les pénalités de ce que tu as fait. Tu vas mourir. Tu dois mourir. Arrêtez-la. 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 Arrêtez-la! C'est terrible, ça!
Arrêtez-la! Vite! Arrêtez-la! Ramenez-la ici! Vite! Vite! Arrêtez-la et ramenez-la! Ce n'est pas possible! Mais c'est incroyable, ça! Même pas d'approcher. Rentrez chez vous. Ne vous approchez pas. C'est quoi le problème? Où est-elle? Faites-la sortir. Je ne ferai rien de tel. Maintenant, sortez. Ne nous faites pas perdre notre temps. Nous sommes ici pour obéir à l'oracle des dieux. Écoutez-moi bien. Retournez là-bas et dites-lui que moi, Ekene, je ne le livrerai jamais ma petite sœur. Elle! Allez-vous-en! Arrêtez! N'osez même pas! Allez, sortez de cette concession tout de suite, avant que je ne casse vos os en morceaux. Sortez! Hey! C'est quoi ça? Mon fils. N'importe quoi. Mais pardon, que quelqu'un me dise ce qui se passe. C'est bon, ça va. Ça va. Vous n'en faites pas, je me charge de ça. Je vais régler ça. Ok? Adané. Vous n'en faites pas, je m'en charge. Je ne m'inquiète pas. Il n'y a pas de problème, je reviens. Je ne m'inquiète pas. Hey! Elle ira bien haut. Hey! Adané. N'oublie pas, Wakoro, mes ennemis sont au travail. Ekene, Ekene, s'il te plaît. Maman, à quoi rime cette ancienne tradition? On évolue à reculons ou quoi? Pourquoi as-tu empêché les gardes d'arrêter cette fille? Comment oses-tu désobéir aux dieux? Nous sommes au 21e siècle, maman. Comment le grand prêtre peut-il condamner une fille à mort? Juste parce qu'elle est enceinte. Ça a quel sens? Tu es censée être une chrétienne. Nous protégeons les intérêts de ce royaume. Ce qui est arrivé au royaume des Yala se serait répété si nous n'avions pas été prudents. Les dieux sont sages. Il ne doit rien arriver à Neka. Sinon, je vais me suicider. Quoi? Il connaît même son nom. Arinze! Arinze! Ekene, tu ne m'as encore rien dit depuis que tu es rentrée. Que s'est-il passé au festival? Au vu des choses, je comprends que tout ne va pas bien. Ta sœur Neka s'est-elle discutée avec le prince? Maman. Maman, pas seulement ça. Maman, ce que j'ai vu aujourd'hui au palace, si quelqu'un me l'avait raconté, je ne l'aurais jamais cru. Maman, mon visage, il est couvert de honte. Quelle honte? Hey! La honte? A-t-elle été déflorée? Pas seulement ça, maman. Maman, notre Neka est enceinte. Hey! Hey! Enceinte? Hey, ouais! Hey! Ma fille, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi. C'est comme si maman, j'en avais.
Le grand prêtre de Munduba demande sa tête en sacrifice pour avoir commis ce crime. Hey! Oh! Ekene! Hey! Ramène-la ici, qu'elle réponde à mes questions. Neka. C'est pour ça que tu les as chassés d'ici? Neka. D'abord, qu'ils viennent chercher sa tête. Neka. Si c'est tout ce qu'ils veulent. Hein? Les gens de Munduba n'ont qu'à venir d'où ils veulent. Qu'ils viennent chercher sa tête. Hein? C'est pour ça que tu les as chassés? Hey! 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 Ekene, elle nous a souillés. Neka! Hey! Neka, je te demande. Qui t'a mise enceinte? Neka, comment as-tu fini comme ça? Après tout l'amour dont ton frère et moi t'avons couvert. Neka, je m'en fous si les gens de Munduba viennent chercher ta tête. Avant qu'ils ne viennent, je vais te tuer de mes propres mains. Dis-moi qui t'a mise enceinte, je te demande pour la dernière fois. Neka, parle. Maman. Parle avant que je te tue. Maman, tu n'as pas tué une personne qui est déjà morte. Laisse-moi la tuer. Maman, Neka est déjà morte. Hein? En ce qui me concerne, maman, Neka est déjà morte. Et je m'en fiche. Je m'en fous si les gens de Munduba viennent ici pour la tuer ou pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai coupé tous les liens que j'ai avec elle. Neka n'est plus parentée à moi. Et puis c'est tout. Je le jure, maman. Tu n'es plus ma petite sœur. Tu es une honte pour cette famille. Tu es une grosse honte. Tu imbécile. Vois dans quoi tu t'es... Espèce t'es d'idiote. Hey! Oh. Tu as vu comment tu as gâché ta vie. Hey! Est-ce que tu as planifié pour toi-même, Neka? Dis-moi comment une mère peut prendre soin de sa fille. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux que je n'ai pas fait pour toi? Toi. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon amour. Maintenant, tu vois, tu es allé m'humilier en public devant tout le village. Tu m'as humilié en public devant tout le village. Neka, Neka, sache que je te déteste. Toi, ne t'en fais pas. Rejeté par ta mère et ton frère. Neka, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout l'amour que je t'ai donné, c'est comme ça que tu me rembourses. Neka, tout mon amour. Arrête-toi là. Ne t'approche pas de moi. Si tu t'avises de t'approcher de moi, je vais te découper. Souviens-toi de ce que je t'ai dit hier. Hein? Je t'ai dit que j'ai coupé tous les liens que j'ai avec toi. Écoute-moi très bien. Sache que tu n'es plus ma sœur. Tu n'existes plus dans ma vie. Pars. Je suis désolée. Je sais que j'étais déçue. Je sais que je vous ai tous déçus. J'ai déçu, maman. J'étais déçue. Je suis désolée. Mais c'est quoi ton problème? Hein? Qui l'auteur? Qui? Où ça? Et quand? Franchement parlant, tu m'as grave déçue. Je suis très déçue. Neka, je suis énormément déçue. Le seul homme qui a montré de l'intérêt pour toi, Neka, tu l'as rejeté.
Neka, tu m'as promis que je serai le premier à connaître l'homme de ta vie. Et à la fin des comptes, tu n'es rien d'autre qu'une dévergondée. Tu n'es qu'une dévergondée. Dégage ici! Dégage ici avant que je ne te tue. Et c'est moi. Nous t'attendions tous ici. Zemo. J'espère que tout va bien. Nos filles sont prêtes. En fait, nos filles sont réparties totalement et sont prêtes à payer pour leurs crimes. Zemo, parle. Quelles nouvelles nous apportes-tu? Arinze a défié Seti. Il a menacé de démissionner en tant que prince héritier de notre royaume. Hé? Pardon? Le futur roi de notre royaume. Il a dit cela que quiconque touche à un cheveu de la tête de cette fille, Domo Duba. Quoi? Tu veux dire celle qui a essayé de lui coller l'enfant d'un autre homme? Arinze a-t-il perdu la tête? Et laissez-moi vous rappeler à tous que si par hasard la royauté quitte ce royaume, elle ne reviendra plus jamais. Non, on ne permettra pas cela. Hein? On ne permettra pas ça. Ça n'arrivera pas. Mais, Ezemo, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Vous voyez? Voilà pourquoi je n'étais pas d'accord pour qu'on ramène les anciennes traditions. Maintenant, regardez où cela nous a menés. Vous voyez? Et nous savons tous à quel point notre prince héritier a été tué. Je veux dire, le futur roi. Voilà que nous sommes coincés. Je vous jure que nous sommes vraiment fichus. Nous sommes fichus. Etier Diofo, qu'est-ce que tu racontes là? Hein? Si on n'avait pas appris ce qui est arrivé aux gens d'un Salah, la même chose nous serait arrivée. Regarde nos filles. Aucune d'entre elles n'est vierge, sauf une. Juste une. Une seule vierge. Si on n'avait pas aboli cette tradition, plutôt, hein? Dans le passé, nos filles ne seraient pas devenues aussi mauvaises. Hey! S'il te plaît, Ezemo, je vais parler à mon fils. Il ne fera rien de tel. Cette fille d'Amandouba payera pour son crime. Le temps n'attend personne. Il faut faire vite, il serait mieux. Vous connaissez les conséquences. Les conséquences. On doit faire vite. On doit vraiment vite agir. Ekene. Maman. Ekene, je m'en vais au marché. Ok. Hein? Souviens-toi que tu as une affaire à terminer avec maman Chinedu. Oui, maman. Hein? S'il te plaît. Ne tente pas de rester à la maison pour elle, même si les gens d'Omunduba veulent venir la chercher. Qu'ils la prennent et partent avec elle. Fais l'effort d'aller finir le travail de cette femme, s'il te plaît. Ok, maman. S'il te plaît, va finir le travail de cette femme. Oui, maman. Hein? J'ai compris, maman. Bonne journée.
Tu es enceinte de moi, pas vrai? Le bébé est de moi, n'est-ce pas? Alors arrêtons de nous cacher. Je suis prêt à assumer ma responsabilité. Ok? Tu cherches un homme qui t'aimerait vraiment. Me voici. Je t'aime de tout mon cœur. Honnêtement, je t'aime. Affichons-nous et parlons de nous à tout le monde. Non. Non, 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 non. Mon frère a le sang très chaud. Il pourrait te blesser. Et je ne crois pas que cette nouvelle lui fera plaisir. Non. J'insiste. Tu comprends? On peut... Je le sais. Tu sais? Je le sais. Ça se lit clairement sur toi. Ma petite sœur, Neka, m'a énormément déçue. Ma petite sœur, que j'aime tellement. Il n'y a rien dans ce monde que je ne ferais pas pour elle. Mais tu as mis la honte dans notre famille. Heureusement que tu es ici. Et je me permets de te le dire en face. J'ai coupé tous les liens que j'avais avec elle. Elle n'est plus parentée à moi. Ekene, s'il te plaît, Je sais qu'elle t'a aussi déçu. Elle nous a tous déçus. Mais je le jure devant Dieu. Si je mets mes yeux sur le bâtard qui a fait cela à ma petite sœur, je vais couper son pénis. Je vais le couper. Calme-toi. T'en fais pas, il est juste en colère. Tu vas bien? Pourquoi t'as peur? J'ai vu les gardes du palais. Ils étaient en train de venir et j'ai dû fuir. Personne veut te tuer. Il ne t'arrivera rien. Ok? Je suis issu du royaume de Monduba. Et j'ai appris que le prince est totalement contre cette tradition. Il a insisté que si quelque chose t'arrivait, il quitterait son rôle de futur roi du royaume. Oui? Il a dit ça? Tu veux dire que le prince du royaume de Monduba veut démissionner à cause de moi? Exactement. Donc, il est gentil. Il est une gentille personne. Tout à fait. Ce n'est pas bien de parler en mal des gens quand on ne les connaît pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci. Merci. L'ancien roi, Ngozouemé, avant sa mort, il s'est rassuré d'abolir la plupart de ses anciennes traditions dangereuses, comme tuer des jumeaux, sacrifier une vierge avant qu'un roi ne naisse. Oui. Le roi est mort à l'âge de 130 ans. Il a épousé 10 épouses, 10 femmes. Aucune d'elles ne lui avait donné un enfant. Sauf une seule. Une seule. La reine Monica. Quand la reine Monica a donné au roi Ozouemé des fils, prince Arenze et prince Lanre. Et comment ça se fait que tu en saches autant sur ces gens? Eh bien... Tu t'appelles Arimzé et le prince aussi s'appelle Arimzé. C'est quoi le lien? Une coïncidence. Je sais tout ça parce que j'aime le royaume de Monduba. Ok? Crois-moi, cet enfant arrangera toute cette situation. Rien ne t'arrivera, je te le promets. Laisse-moi parler à ton frère. Peut-être demain... Ou après-demain, je prie juste qu'il puisse m'écouter. Ok. T'en fais pas. Arenze, comment as-tu pu faire une chose pareille? Désobéir au Dieu. Et en plus de ça, menacer le grand prêtre.
de tout abandonner à cause d'une parfaite inconnue. Es-tu normal? Es-tu fou? Voilà le problème. Et si les dieux avaient tort? Hein? Mère, tu es une chrétienne et tu devrais agir en tant que telle. Avant que papa ne meure, il avait aboli la plupart de ses traditions, y compris celle-ci. Bon, et si j'étais l'auteur de cette grossesse? Tu ne l'es pas. Et tu ne le seras jamais. Tu vois? C'est là où tu te trompes. Les dieux auraient dû savoir que cet enfant est de moi. Quoi? Non, je sais que tu plaisantes. Tu dis tout ça juste pour la sauver. Non, mère. Je dis tout ça parce que je la connais. Elle s'appelle Neka. On se fréquente depuis près de 2 mois déjà. Maman, j'aime cette fille. Je suis prêt à faire d'elle ma femme. Alors dis-moi, es-tu toujours décidé à tuer ton futur petit-fils? De grâce, mère, oublie un peu tous ces marabouts et tous ces gens. Ils ne savent pas tout. On devrait chercher l'aide d'un homme de Dieu puissant, comme papa l'a fait. Arinze, je ne peux pas croire tout ce que tu racontes. Non, je ne peux pas. Ici, c'est ta maison. Je suis si heureuse. Alors, détends-toi. Tu es la bienvenue. Merci, Marie. Mon fils sera très heureux de te recevoir. Je suis très fière que tu aies été choisie entre toutes. Merci, ma reine. Pas de quoi, ma chérie. Alors, sens-toi libre, ma chérie. Oh, waouh. Alors, comment trouves-tu cet endroit? C'est si beau. Merci, ça l'est. Oh. Waouh. Oui. Oh, sens-toi libre. Fais comme chez toi, ma chérie. Détends-toi. C'est chez toi. Souviens-toi, tu es la future reine. Oui, je le sais, ma reine. C'est si beau. Je sais. Oh. Comment trouves-tu ça? C'est tellement joli. C'est bien. Viens, ma chérie, viens. Entrons. Adane. Ah. Adane. 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 Hey. Adane. Adane! Adane! Hey, où est-elle passée? Adane! Oh mon Dieu! Hey! Ma sœur! Adane! Neka! Neka! Adane! Hey! Hey, ma sœur! Hey! Ma petite sœur! Adana! Hey, oh! Où est-elle passée? Neka! Neka! Hey, oh! Adana!
Neka, crois-moi. Je t'aime de tout mon cœur. Que cette rivière me soit témoin. Je suis prêt à affronter le monde entier pour toi. Je sais que tu doutes encore, mais si tu me fais confiance, crois-moi, tu verras à quel point je t'aime. Je t'en prie. C'est grâce à toi si je suis encore en vie aujourd'hui. L'homme qui est prêt à tout sacrifier juste pour me voir heureuse. En vérité, je suis amoureuse de toi. Je t'aime de tout mon cœur. J'ai essayé de lutter contre ça, mais je n'ai pas pu. Oh, bébé. Je mentais à moi-même durant tout ce temps. Je sais. Je rêve de toi jour et nuit. Oh. Je suis si content d'entendre ça de ta bouche. Oh. Maintenant, je peux affronter ton frère avec courage. Je t'aime. Mais je veux d'abord rencontrer le prince. Je t'amènerai le voir. Mais d'abord, on doit régler les choses avec ton frère et ta mère. Ok? Ekene? Ekene, de grâce. Allons à la maison et parlons. Parler de quoi, dis-moi? De tout ça. S'il te plaît, allons à la maison et parlons de tout ça. Je t'en prie. Dis-moi de quoi est-ce que tu voulais qu'on parle? Hein? Ekene? Oui. Avant que je ne dise quoi que ce soit, peux-tu déposer ta machette, s'il te plaît? Que je la dépose d'abord? Oui, s'il te plaît, dépose la machette. S'il te plaît. Dis-moi. Ekene? Oui. Mais parle! Je sais que ce que je suis sur le point de dire là maintenant, ce que je vais te dire va te mettre très en colère. Ça va te blesser. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour fatidique. Je sais vraiment pas. Ce que j'essaye de dire, c'est que... Je suis l'auteur de sa grossesse. Quoi? Je suis désolé. Espèce de sale bâtard! Je suis désolé, s'il te plaît, calme-toi. Tu as trahi ma confiance. Je suis désolé. Tu t'es permis de profiter de ma sœur? Non, j'assume toute la responsabilité. Non! T'en prie, Ekene. Laisse-moi! Lâche-moi! Ekene, non! Crois-moi, je te ferai la peau! Espèce de traître! Ekene, je t'en prie! Ma petite sœur!
Que... Toi, je te ferai la peau. Que les, je l'aime. Je te ferai la peau. Que les, je l'aime. Il est ma vie. Tu aimes qui? Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu, ne le tue pas. Ekene, je t'en supplie, ne le tue pas. Je non. Ekene, non. Ekene, s'il te plaît. What I'm not regretting me. But the thing is that I never wanted to end this way. All I want to show you is how much I feel for you. But since it turned out this way, I have put no more. I could have pulled myself up. Hey, yeah, I couldn't have done it at all. But yeah, right now the date is done. Mon fils, sois le bienvenu. Merci, mère. Oui. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un instant. Ebere. Ebere. Bonjour, ma reine. Oui, bonjour. Bonjour, ma prince. Mon fils. Maman. Ta femme est là. Pardon? Tu ne te souviens plus d'elle? La seule vierge du groupe. La seule élue, mon chéri. Je lui ai déjà donné ma bénédiction. N'est-elle pas magnifique? Qu'est-ce que tu as, mon fils? Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi me crées-tu plus de problèmes? Tu crois que l'amener ici changera quelque chose? Mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Et c'est elle que je vais épouser. De grâce, mère. Ramène-la chez ses parents. Mon fils. Arinze. Oh, ma chérie, ne t'en fais pas. Tout va s'arranger, ok? Je vais régler ça. Tu peux disposer. Okay. Merci, ma reine. De rien. Mais qu'est-ce qui lui prend? Hey! Donc ce jeune homme est venu nous détruire? Donc ce gars n'était qu'un gros imbécile? Un salaud? Hein? Maman? Maman? Maman, maintenant je sais. Maintenant je sais ce qui s'est passé ce fameux jour. Maman, il est clair maintenant pour moi que Nekin essaie de couvrir cet animal. Elle essaie de couvrir cet animal, maman. Je vois clairement que Nekin a été violée par cet animal. Il ne m'a pas violée. Il ne m'a pas violée. Ferme ta gueule. Il ne m'a pas violée. Je l'aime et il m'aime aussi. Parle-moi, laisse Nekin. Maman, tu te souviens du jour où elle est rentrée toute triste ici à la maison? Elle refusait de dire ce qui s'est passé. Hein? Cela est arrivé il y a 3 mois. Et maintenant, Nika est enceinte de 2 mois. Tu te souviens? Hey, je m'en souviens, oh. Hey! Oh. Hey! Hey! Il ne m'a pas violée. Il ne m'a pas violée. Tais-toi! Tais-toi! Maman, je l'aime. Pardon? Maman, on s'aime tous les deux. C'est juste que j'ai été emportée par la situation. Je sais qu'il n'est plus une mauvaise personne. J'aime cet homme. Nekin, que l'amour te tue là-bas. Que le tonnerre te frappe. Hein? Je l'aime, il ne m'a pas violée. Nekin, pourquoi ne t'es-tu pas contrôlée? Après toutes les valeurs et la morale qu'on t'a prises dans cette maison, Nekin, tu es allée écarter les cuisses à un homme. Hein? Nekin! Maman, hein? Ça va. Ne t'en fais pas, je sais quoi faire. Je vais m'assurer de tuer cet idiot avant tout le monde. Je vais le tuer de mes propres mains afin qu'on vienne le secourir. Il ne m'a pas violé. Ne t'en fais pas. Il ne m'a pas violé. Non, ne le tue pas. Non, on n'a pas. Je dois tuer ce gars. Tu n'es pas un tueur. Tu n'es pas un tueur. Que je pose mes yeux sur lui. Que je le vois. Hey. Ce gars, je vais le tuer. Je ne le pourrai pas. Je vais le tuer. Oh, mon Dieu. Hey.
Bonjour, mon prince. Je te conseille de rentrer chez tes parents. Parce que cette histoire de mariage ne fonctionnera pas. Je suis sûr que tu m'as entendu tout à l'heure. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok? Je ne ressens rien pour toi. Regarde-moi. Tu es encore jeune et très belle. Je prie que tu trouves un homme là-dehors qui t'aime vraiment. Pas moi. Tu comprends? Mais, mon prince, je vous aime. Je vous respecterai, je vous honorerai. Pitié, ne me chassez pas. Pitié. Je suis désolé. Je ne peux pas t'épouser. Comprends-le. Je promets d'être une bonne épouse pour vous. Mais je ne ressens rien pour toi. On n'a aucune connexion. Écoute, essaye pas de poireauter là. Essaye de gagner un temps. Retourne chez tes parents. D'accord? Mon prince, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Oh, ma fille, que s'est-il passé? Il m'a demandé de partir. C'est pour ça que tu pleures? Oh, ma chérie, de grâce, essuie tes larmes. Je m'assurerai qu'il ne te dise plus cela, ok? Allez, vas-y et rafraîchis-toi. Change-toi et mets une magnifique robe. Il doit savoir que tu es la future reine de ce royaume, ok? Oui, tu es venue pour rester. Maintenant, vas-y. Vas-y, ma fille. Merci, ma reine. De rien. Merci, ma reine. Ekene, mon fils. Je sais à quel point tu es déçu. Oui. Elle nous a honteusement déçus. Mais que puis-je dire? Comme ce jeune homme veut demander sa main, s'il te plaît, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Laisse-la partir avec lui pour qu'on enlève la honte qu'elle a mise sur nous. Mais avant de le faire, on doit aller rendre visite à ce prince qui lui a sauvé la vie. On ira au palais le remercier de lui avoir sauvé la vie. Maman. Maman, je ne t'ai jamais désobéi auparavant. Mais je vais te désobéir cette fois-ci, maman. Oui, je vais te désobéir. Maman, ce jeune homme n'épousera jamais ma sœur. Il n'est pas bien pour elle. Ce jeune homme n'est qu'un pauvre violeur, maman. Quant à Adané et l'enfant, je prendrai personnellement soin d'eux. Je te promets de prendre soin d'eux, maman. On lui donnera un nom, maman. Point final. Ekene. C'est mieux ainsi. Ekene, tu t'entends parler? En fait, je ne suis absolument pas d'accord avec toi ici. Ekene, pense à la honte. Que vont dire les gens? Hein? Connais-tu la honte? En fait, ce que tu dis maintenant, la suggestion que tu fais, va même apporter plus de honte sur nous. Ekene, jusqu'à quand seras-tu là pour elle? Ekene, jusqu'à quand seras-tu là pour elle? Penses que tu peux être là pour elle éternellement? Tout l'amour que tu dis souvent, hein, j'aime ma sœur, il s'envolera et disparaîtra lorsqu'une femme entrera dans ce cœur. C'est faux. C'est pas vrai, maman. C'est faux. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, et c'est exactement ce qu'on va faire, c'est de laisser ce jeune homme venir payer sa dot et l'amener chez lui. Je n'ai même pas besoin de ton consentement pour ça, je te l'impose. Voilà ce qu'on va faire en tant qu'une famille. Après tout, je suis ta mère et la matrone de cette famille.
Tu ne me commandes pas. Et tu devras faire ce que j'ai décidé. Allez, ma fille. Sens-toi libre. Ici, c'est ta maison. Maman, devine qui nous avons ici. Qui ça? Maman, je suis rentré. Oh, mon fils est rentré. Oh, mon fils chéri. Comment garçon, l'ânerie est de retour. Frérot. Je ne suis plus un petit garçon. Il est adulte maintenant. Je suis heureux de te revoir, maman. Je ne suis plus un bébé, tu sais. T'es plus un bébé. T'es un homme maintenant. Je suis un adulte en présent. C'est vrai. Viens là, petit frère. Bienvenue chez toi. Mon fils. Maman, sois le bienvenu. Merci, maman. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Je sais. Moi, je savais qu'elle allait être très contente. Viens. On a beaucoup à se dire. Vraiment sûr. Oui. D'accord, allons-y. Beaucoup de choses à faire. Oui. J'espère bien que tu as apporté mes colis. Pas du tout. Je vais te tuer si tu as oublié. Je les ai apportés. Délicieux. Tu sais ce qu'on dit? Plus noir est la baie, plus sucré est le jus. C'est très vrai. Mon frère? Oui. Qui est-ce? C'est la fille qu'on m'a amenée pour que je l'épouse. Honnêtement parlant, Lanre, je ne veux pas qu'elle perde son temps dans ce palais. Car il n'y aura rien entre nous. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Et à l'heure où je te parle, elle est déjà enceinte de moi. Wow! Vraiment? Ouais. Je suis content de l'entendre, mon frère. Eh bien, je suis très content pour toi. On ne veut pas que mon bonheur soit total. Pour te dire vrai, la fille en question ne connaît pas ma vraie identité. Notre amour est pur. Je veux que tu m'accompagnes pour la voir, mais déguisée, hein. Parce que sa famille ne m'a pas encore accepté. Mais je sais que sur le long terme, ce sera le cas. Bien sûr. D'accord? Oui, j'irai avec toi. C'est mon frère. C'est la maison. C'est ici. Eh oh, il y a quelqu'un? Eh oh, il y a quelqu'un? Kenny. Kenny, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Mais je veux que tu saches que j'aime vraiment ta sœur. Je l'aime de tout mon cœur. Je veux arranger ça. Je veux vraiment l'épouser. Je sais que tu aimes ta sœur plus que la vie. Mais je te promets, je prendrai soin d'elle. Je la rendrai heureuse pour le reste de la vie. Je t'en prie. Pardon de vous interrompre. Je suis son petit frère. Lui, c'est Lanre, mon petit frère. Je n'ai jamais vu mon frère aussi amoureux. Votre sœur a volé son cœur en entier, je vous assure. Et je vous promets que vous serez content de ce mariage si vous essayez de lui donner une chance. Oui. S'il vous plaît. Ah, j'imagine que c'est elle. Oui, c'est elle. Elle est sublime. Rentre dans la maison. Rentre! Je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Je dois voir le prince du royaume de Modumba. Avant de dire quoi que ce soit concernant cette histoire, je te demande de rentrer. Reviens demain ou après-demain. Je te donnerai une réponse. D'accord. Ça me va. Merci. Dans ce cas, j'attends de tes nouvelles. Merci.
Allons-y. Merci. C'est bon. Adani, je veux que tu me dises la vérité. Aimes-tu vraiment ce gars? Dis-moi, tu aimes vraiment ce gars? Adani, je ne veux pas que tu me dises oui, parce que tu es enceinte. Adani, je veux te dire qu'être enceinte n'est pas du tout la fin du monde. Adani, j'ai vu plein de filles accouchées en famille, et elles ont fini par épouser l'homme de leurs rêves. S'il te plaît, ma sœur, aimes-tu vraiment cet homme? Oui. Je l'aime de tout mon cœur. Mon cœur bat pour lui. Je l'aime. Adani, tu es sûre? Oui. C'est compris. Mais avant de lui donner une réponse, je veux qu'on aille voir le prince du royaume de Modumba pour lui dire merci de t'avoir sauvé de sa famille. Oui, je... J'y ai également pensé. Je veux le remercier également pour ce qu'il a fait pour moi, de m'avoir donné une seconde chance de vivre. Oui, je veux le voir. Merci beaucoup. Merci de m'aimer autant. Je te promets que je ne vais plus jamais te trahir. C'est bon. Tu seras toujours mon adorable sœur. Je t'aime toujours. C'est bon. Je t'aime aussi. Je t'aimerai toujours, ma petite sœur. Je t'aime aussi. Tu sais, tu es ma seule sœur. Et je t'aimerai toujours. Pardon. I think I went too far, but I'm not regretting it. But the thing is that I never wanted to end this way. All I want to show you is how much I feel for you. But since it turned out this way, I fought no more. I could have pulled myself up. I couldn't have done it at all. Oh yeah, right now the date is done. Oh yeah, maybe go accept me no go. Oh yeah, I could have held myself. Oh yeah, I couldn't have done it at all. Oh yeah, right now the deed is done. No. Hey yeah, maybe go accept me like this. Hey yeah, I think I went too far, but I'm not regretting it. But the thing is that I never wanted to end this way. All I want to show you is how much I feel for you. But since it turned out this way, I have found no more. I could have pulled myself up. Hey yeah, I couldn't have done it at all. Oh yeah, right now the deed is done. No. Maybe go accept me no go. Oh yeah, I could have held myself. Hey, vous, restez là. Comment osez-vous mettre les pieds dans mon palais? Après avoir détourné le cœur de mon fils de sa famille, et vous avez osé venir vous montrer ici? Nom de grâce, calme-toi.
Comment peux-tu penser à tuer une femme qui porte ton petit-fils? Ta chair et ton sang. Ekene, je sais que tu es surpris. Oui. Je suis le prince héritier du royaume de Mondumba. Je suis désolé de n'avoir pas révélé mon identité plus tôt. Je cherchais le vrai amour. Et je l'ai trouvé. Chez ta sœur. Maman, je suis l'auteur de sa grossesse. Jamais! Cela n'arrivera jamais! Maman, s'il te plaît. J'ai dit jamais! Ça va aller. On va régler ça, d'accord? S'il vous plaît, entrez. Arinze, pourquoi provoques-tu les dieux? Hein? Pourquoi défies-tu les chi? Ebereko, voici, c'est elle l'élu. Est-ce parce que les dieux ont vu qu'elle est vierge? Maman, dis-moi, tu doutes toujours que l'enfant soit de moi? J'ai trouvé Neka vierge. Et je suis très sûr que cet enfant est de moi. Je suis désolée de vous décevoir, ma reine. Mais je ne pense pas que je puisse épouser votre fils Arinze. Comment oses-tu me parler de cette manière? Mon cœur bat pour quelqu'un d'autre. Et je suis très sûre de ce que je ressens pour lui. Majesté, laissez-la. Les voix des dieux ne sont pas les voix des hommes. Tout ce temps, les dieux ont été silencieux. Mais maintenant, ils ont parlé. L'enfant que cette jeune fille attend est l'héritier du trône de ce royaume. Les deux filles ont été choisies par les dieux le même jour. Et elles se marieront dans cette famille le même jour. Mais grand prêtre, tu viens de l'entendre. Elle a dit qu'elle est amoureuse d'un autre. Ce n'est que ton second fils qui a le dernier mot. S'il aime ou pas. Prince Lorry. Oui, grand prêtre. Acceptais-tu cette jeune fille dans ta vie? Oui, grand prêtre. Je l'aime vraiment beaucoup. Et toi, jeune femme? Est-ce que tu l'aimes aussi? Oui, grand sage. Hein? Prince Arinze. Les dieux t'ont tenté et tu as gagné. Tu es vraiment le fils de ton père. Ton couronnement aura lieu dans 2 jours. Va voir sa famille. Les dieux sont avec toi. Excuse-moi. Elle est à moi cette fois. Les dieux sont avec toi. Elle sait dire. Les voix des hommes ne sont pas les voix des dieux. Ha ha ha.
Mon épouse. N'est-elle pas magnifique? Bien sûr que je suis belle. Hé, on revient plus tard. On veut prendre des photos maintenant. Je bye bye. Bébé, prends une pause pour moi. J'adore. La photo parfaite. Bonjour, maman. Salut. Regardez à vous. Regardez ma mère. Regardez-la. La reine la plus élégante du royaume. Oh, mon Dieu. Merci, mon fils. De rien. Merci, mon cher. Alors, maman, regarde bien. Regarde ça. Il donne les coups de pied. Oui, ça, c'est mon petit-fils. Ah. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Vous êtes très beau. Je suis tellement heureuse. Je suis satisfaite. Je sais. Je sais. Tout est bien qui finit bien. Bon, c'est une bonne occasion pour annoncer une nouvelle. Ok. Oh. Allez, lève-toi. Mon fils, qu'est-ce que maintenant, c'est? Je veux vous annoncer à tous que j'ai loué un jet privé et des billets pour tout le monde. Oh mon Dieu. On va tous en vacances royales. Oh mon Dieu. Et je vous donnerai cela. Revacances. Waouh. Merci mon amour. Bravo mon fils. Oh maman. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. À partir de cet instant, il n'y aura là, que des fêtes. Nous ma fille, viens. Que des fêtes. L'André. Oui, mon frère. Ça ne fait bienvenue dans ma famille. Je vois déjà comment elle est radieuse. C'est vraiment le cas de lui dire. Je marche sur mes traces. On ne sera pas les derniers. Ma chérie. Que je vais faire. Je vais continuer. Viens là. Bon. Tout le monde, faites vos valises. Oh mon Dieu. Prenez vos habits. Oui. Ok. Et rassurez-vous que tout soit prêt. Ok, bébé. Car nous allons tous en quoi? En gros vacances. Ça veut dire des vacances royales. Oh, on y bébé. Va. Bébé. Allons-y, maman. La femme, 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 la fem